Londres, voilà. On va aller se balader tranquillou. Bonjour AzerDFG. Alors, est-ce que demain il pleut ? Non, mais vas-y, il pleut jamais dans le jeu. Et je veux absolument améliorer mon arrosoir. Ah mais c'est l'été ! Oh putain ! Ouah, c'est l'été, c'est l'été. On avait... Alors, ah oui, alors, petit résumé de ce qu'on a fait la dernière fois. C'est-à-dire hier. Eh bien, nous avons... acheté le sac à 10 000. Donc on a plus d'espace maintenant dans l'inventaire. On a été au niveau 70 et quelques de la mine. On a également... débloqué plein de trucs dans le centre communautaire, dont on a terminé d'ailleurs la partie mine, ce qui nous permet donc d'accéder au minecart. Et ça, c'est très très cool parce que bah, on va pouvoir se téléporter, gagner un max de temps et rendre nos journées encore plus productives. Voilà à peu près ce qu'on a fait. À peu près. Ressenti de fatigue, c'est aussi un indicateur de manque de magnésium. Se complétant en magnésium réduit la sensi de fatigue. Le mieux étant de dodo. Bah, c'est ça en fait. Hein. Vaut mieux dodo, je préfère, c'est plus naturel. Tivertif, merci pour le Prime, merci beaucoup. Alors, un article qui parlait de toi dans le journal local, OMG. OMG la star. Pitch la star, quoi. Donc, c'est l'été. C'est l'été, alors du coup, ça m'inspire effectivement, okay, ça m'inspire une chanson. ça m'inspire une chanson, bien évidemment. Allez, allez, allez! C'est juste une alpha! C'est pas seulement pour nous amuser. Oh ouais! Tout l'été, on va jouer. Ouais! Ouais! On va tout faire pour s'améliorer. Salut Azuki! Et se faire recruter. Rejoins Solari. On est une bande d'amis. Viens partager notre vie. On est en live d'ici. Rejoins Solari. On est une bande d'amis sur LOL ou bien Fortnite. Nous on joue toute la night. Ça y est, c'est enfin l'été. On va pouvoir jouer. La nif de Joas, je dis. Du blé. Penny qui veut du blé. Ouais, merci pour les 258 chez Pardéo. Salut, il fait beau, n'est-ce pas? Et oui, c'est enfin l'été, Penny! Il y a quoi comme poisson qu'on peut pêcher en été d'ailleurs? On va tester ça tout de suite. Quoique, non, j'ai pas le temps, il faut qu'on aille acheter chez Pierre des graines. Des graines d'été. Du Crozac. Kotaga, though, trying to stabilize, only has keep himself in this one, but Kinstar is going to get the elimination. Kinstar, though, going for it. Ninja, down in front, though, he's going to take some damage. Alors, qu'est-ce qu'on peut se prendre pour l'été? Il y a quoi dans le centre commu? Attendez, qu'est-ce qu'il nous faut dans le centre commu? Melon, citrouille, maïs et deluxe. Tomates, piment fort, myrtille et melon. Ouais, de fait qu'il en faut des trucs. Alors ça c'est automne, je crois. Maïs, on peut le faire pendant l'été. C'est enfin l'été, on va pouvoir jouer. Ouais, ouais. Ok. Donc tomates, piment, myrtille, melon. Tomate, piment, myrtille et melon. Il nous faut également. On a du maïs ou pas? Ah non, le maïs, c'est... Si, on a du maïs. 14 jours! Mais après, ça continue. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal.
Comme les poivrons d'ailleurs, ça repousse. Enfin voilà, messieurs, dames, hein, c'était l'été, bien sûr. Bravo, hein, Narcus, pour le bon jet. Alors, j'hésite à prendre vraiment beaucoup parce que ça va être long à arroser tout ça. Je pense qu'on va surtout prendre le poivron, comme ça on n'aura pas à les replanter en permanence. Donc on va prendre pas mal de poivrons. On va se faire des triples rangées. Y'a pas des bâtons sur... Non, y a pas de bâtons, je crois, sur le maïs et tout. Attends, si le maïs, y'a peut-être des bâtons. Ah non, pardon, c'est le houblon où y'a des bâtons. Putain, le houblon. En vrai, on pourrait prendre un peu de houblon parce que généralement, les gens, ils en demandent. Ils en demandent et ça casse les houilles. Bonjour Reynaros, salut Naïs. Ouais, je pense que je peux en prendre un petit peu. On va prendre 10 de chaque ou 15 de chaque. Par contre, ça coûte cher, hein. Les 15 de chaque, ça sent très... Non ! Bon, j'ai vendu un truc que je voulais pas. C'est pas grave, ça reviendra. De toute façon, les chauves-souris vont m'ordonner, hein. Je sais pas si c'était pour le centre commun, ce truc-là. Je crois que si, mais je crois que c'était pas trop compliqué à retrouver. Oh ! Du blé. Vous voulez qu'on prenne du blé ? Pourquoi faire du blé ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse du blé ? Ouais, pour faire de la farine et du pain et tout. Je sais pas, on a... Ouais. Je renvoie pas tout en bas. On peut annuler ? Il me le renvoie à 80 ! Est-ce que... Mais attends, mais est-ce que la prune est nécessaire pour le centre commu ? Ou alors le blé ? Ah oui, le blé pour le centre commu. Attendez, attendez, attendez. Y a pas de blé ici. Non, regardez, y a pas besoin de la prune. C'est grenade, pêche, orange, cerise. Oui, non, c'est bon ça. Je crois qu'il y a pas besoin. Après, salle d'artisanat, ça on s'en fiche. Ça on s'en fout aussi. C'est un autre paquet. Il y a quoi comme poisson d'été d'ailleurs ? Poisson de la mer, thon, tilapia. Le coffre. Putain, ça c'est juste de l'argent, c'est vrai. Préparation du bus. Ah oui, d'accord. Pour Marnie. C'est vrai. Pour Marnie. Grenade. Attention ! Ok, très bien. Donc pour Marnie, effectivement, il faut un peu de blé. On va pas en prendre beaucoup, 15 de chaque. Ça sera très bien. Cueillette d'été. Cueillette d'été. Ah ouais ? Cueillette d'été ? Récolte d'été, mais y a pas cueillette d'été. Non, non, y a pas. Bon, allez, on va s'organiser. On va essayer de se faire un truc pas trop déconnant. Non, mais je peux pas. Non, je peux enlever ça à la faux, je suis sûr. Attendez, où est ma faux ? Où est ma faux ? Là. Hop, ça dégage. Les conneries, ça dégage, hein. Donc, on y va. Allez, le blé ici. On va se mettre en longueur. Le maïs. Faudrait qu'on fasse de l'engrais. Ça serait énorme. Trois, quatre, cinq.
Il va être qui dans cette save? Surprise, surprise. Faut garder un peu de suspense. Des fois, je laisse des indices. À vous de les voir. Allez, Myrtille. C'est assez subtil, mais essaie de deviner par rapport à ce que je fais avec les persos, à qui je parle et tout, ce genre de truc. Vous allez devoir deviner, ok? C'est l'annonce de dimanche qui je vais date dans Stardew, bien sûr. C'est donc ça l'annonce de dimanche, OMG. Un, deux, trois, quatre, cinq. Les tomates. On va avoir du boulot hein, pour arroser tout ça. Naze, mais bien sûr que non, ça sera pas ça. Qui a cru que ça serait ça l'annonce? L'annonce trop nulle. Il y a des gens qui ont vraiment cru. Il va être monsieur qui? Putain, c'est ça. Comment t'as deviné? J'aurais pu le décaler sur le côté, ça, en vrai. Il va nous falloir beaucoup d'engrais. Il nous faudrait 15 x 6 d'engrais. Ça fait combien, ça? 15 x 6, ça fait beaucoup, en vrai, non? Schlackshana! Merci pour le 26e mois de sub. Putain, j'avais 9 graines de melon, déjà. Ah, je vais me les garder, au pire. Ouais, ah, j'ai 111 de sève. Et que ça, je peux faire combien d'engrais? Ouais, 55. Ça va clairement pas suffire, évidemment. Faut que je focus sur les produits qu'on a besoin, les produits de qualité. C'est quoi les produits de qualité dont on a besoin? Maïs et melon. Et bah écoutez, je me rappelle plus où est-ce qu'on a planté les maïs et les melons. Donc en fait, on va le mettre partout parce que je me souviens pas. Non, ça c'est piment en vrai. Donc ça veut dire qu'on va devoir découper des trucs. On se fait pas l'arroseur automatique. Non, pas pour l'instant. Pas pour le momento. L'arroseur automatique, on attendra d'avoir des arrosoirs en iridium. Des arroseurs. Par contre, niveau énergie, ça va pas le faire du tout, là. En bas à gauche, c'est bon, ça, j'ai mis. Faudrait de la bouffe. Oh, de l'énergie max. Oh, c'est bien, ça, attends. Oh la dingue. Et en vrai, je pourrais manger des... Qu'est-ce que je pourrais manger qui m'est bien, là? 45 énergie, le flétan. Oh, la carotte, un petit peu, quand même. Ouah, la carotte dorée, ça m'est trop bien. Vas-y, je vais manger une carotte dorée. Dorée, la carotte dorée. Oh oui. Par contre, la hache est... On est vraiment très très nul, notre niveau de hache est vraiment très très low. Donc bonne chance pour récupérer la sève. Oh, trop joli les papillons. Il n'y avait pas ça avant quand tu découpais un arbre. C'est nouveau ça. Si, ah ouais. Non mais moi ça me dit rien du tout tous ces papillons. Mmh, 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 mmh.
Non, c'est depuis quand l'impoint... C'est depuis l'impoint 6 qu'on peut mettre de l'engrais par-dessus les graines? Non, on a toujours plus par-dessus les graines. C'est juste que... une fois que ça a commencé à pousser, après c'est mort. Du coup, je vais pas pouvoir en faire beaucoup encore. Il m'en faut beaucoup de la sève. Y a pas tant d'arbres que ça en vrai ici. Hop. Allez, encore de l'engrais, plus d'engrais. On abat tous les arbres. Oh non, ça tombe dans l'eau, bah oui, quel con. L'énorme bouffe que je suis là. Oh. Le débilos. Bon, on est en pure déforestation. Mais on va replanter, vous inquiétez pas. Elle est pas très grande cette ferme, hein. Elle est vraiment pas très grande, ouais. Et toute petite. Donc là, ça nous ferait combien d'engrais là actuellement? 31. On en avait une cinquantaine à peu près déjà, donc en vrai on y est presque là. Attendez. Voyons voir. On va miam aussi. Alors il y a la boîte mystère. Je sais toujours pas à quoi ça sert cette boîte mystère. En vrai on va manger des pissenlits. C'est bon les pissenlits. C'est plutôt fait pour partir sur de l'élevage. Ouais c'est ça exactement. On va focus l'élevage de toute façon. Engrais, ouais, j'en ai 31. Ça va peut-être pas suffire à un pré ou deux. Elle va nous en manquer genre 3, je dirais. Ouais, c'est ça. Il est déjà 19h30. J'ai pas arrosé encore. Il y en a deux dans mon coffre. Ah ouais? Oh putain! Cette anecdote est vraie? Et ben voilà. On aura mis full engrais. Bah maintenant il n'y a plus qu'à arroser. Énorme. Oh non mais l'énergie. Il va falloir que je mange une carotte, hein. Pas le choix, hein. Il est temps de grailler une carotte dorée. T'as oublié un carré. J'ai oublié de mettre de l'engrais sur un carré. Lequel? Quatre, trois. Comment ça l'arrosage case par case? Bah écoute, j'ai pas encore l'arroseur amélioré, il a jamais plu. Il a pas plu une seule fois dans ce putain de jeu depuis que j'ai commencé ma save. Enfin si, il a plu deux fois quoi. Deux fois en early, donc quand j'avais pas encore les moyens de m'acheter l'arrosoir. Ah c'est là qu'il manque. Ah oui. Il n'y a plus est aléatoire. Bah je pense hein. Le boulot que ça va être d'arroser ça tous les matins, là. Vivement qu'on ait l'arrosoir amélioré. Elle est aléatoire, sauf pour le troisième jour du printemps. Ah, ok. Ok.
Et ben voilà. Du beau boulot, ça. Ah, putain, on a passé la journée à acheter des graines et à les planter. Quelle vie. Quelle vie. Vas-y, je vais planter les glands et tout. Go. Et nous, on va aller au dodo. Bonne nuit. Oh là là. Je le savais. La fée clochette. Mais non, mais du coup, elle va troller mes récoltes, là. Elle va tout décaler. Oh là là. Elle va tout décaler. Oh, elle m'a tout désynchronisé. Putain. Aucun respect, quoi. Bon, il pleut demain ou pas? Putain, il fait beau encore. Ah, ils sont d'une humeur normale, les esprits. Ok. Oh. Bon bah voilà, on a les tomates. Énorme. Est-ce qu'il fallait des tomates de luxe? Même pas, faut juste les tomates de base quoi. Très bien. Il en faut une. Bon bah c'est parti. J'en peux plus de cet arrosoir de merde. On est d'accord que l'arrosoir de bronze c'est 3 cases. 3 cases devant toi. Ouais, ça sera quand même déjà beaucoup mieux. Hein. Bonjour, Surika Sacha. Chacha. La meilleure saison dans le jeu, c'est quand même l'été. Hein. Comme dans la vraie vie d'ailleurs, apparemment, mais bref. Ça. Tout le monde ne l'entendra pas, bien sûr. Mais Peach, pourquoi tu essayes de pêcher dans le puits? Dans le puits. Non mais il n'y a pas de... Le printemps et l'automne n'existent pas. C'est terminé, ça n'existe plus. Donc en fait, si vous êtes team automne, vous êtes team hiver. Et si vous êtes team printemps, vous êtes team été automatiquement en fait. Il n'y a pas de débat. En fait... Ces saisons n'existent plus, donc soit vous êtes printemps, c'est-à-dire par extension été, soit vous êtes automne, donc par extension hiver. Voilà, donc maintenant faut faire votre choix. Oh là là, plus d'énergie. Je suis printemps, je supporte pas la chaleur. Bah, il fait chaud des fois au printemps. Hein. Des fois au printemps, il fait vraiment très chaud. Hein. Vous savez que l'été c'est quand même fin juin. Donc en fait, on est encore en printemps quand il peut faire des 30 degrés. Donc c'est pour ça que dire que t'es printemps, donc t'es pas team printemps quoi. Du coup, tu as menti. Tu mens. Donc en fait, tu es team hiver. Tu es un intrus, tu es un imposteur. Je le savais. Hop. 20 degrés c'est parfait. 20 degrés c'est bien, 25 c'est vraiment incroyable. En fait, je dirais que la meilleure température ça reste quand même genre... Ouais, 24 degrés je pense que c'est incroyable. 24 degrés c'est banger. Je vends tout sauf une tomate. On va aller apporter au centre commu. On va aller checker les fruits aussi. Alors. Oh, bande de feignantes là! Putain. Pour moi, la timidité, c'est des climato-sceptiques. Quoi? Qui utilise le chauffage en hiver?
Après, il y en a qui vont dire oui, tu utilises la clim. Pas du tout. Moi, j'utilise pas la clim. Alors ? Voilà. On va aller en ville. Pas ce qui est le plus rapide en vrai. Pour aller au centre commun, c'est quoi le plus fast? Après, je pense qu'on ira en revenant chez nous. On va peut-être aller faire un tour des mines, ouais. Ou alors voir s'il n'y a pas des quêtes. C'est une meilleure ventilation de la boîte crânienne. Je crois que c'est juste parce que je n'ai pas de graisse. Je ne possède pas de gras. Le gras est inconnu. Est inconnu à mon corps. C'est mieux de jouer à ce jeu seul ou à plusieurs? Les deux se valent, hein. Les deux se valent, je pense. Merci Dark Nema pour le Prime. C'est timété, mais la semaine à 40 degrés en région parisienne systématiquement. Ah oui, mais après à Paris aussi. De toute façon, les Parisiens sont team hiver dans tous les cas. Donc ça, je suis pas étonné. Comment je suis venu maire? J'ai une longue histoire. Ah non, mais moi je suis en poids plume, hein. Moi je suis poids plume, hein. Si jamais je devais combattre, faire des sports de combat, je serais en poids plume. Moi je suis poids plume. Poids plume. Moins de 60. Ah, c'est moins de 60. Non, c'est moins de 70, je pense, poids plume, non? Je sais pas. Oh, de l'or. What the fuck, tout ça? Ah ouais. Incroyable. Poids léger 70. Et moi je fais moins de 70, donc je suis poids léger alors. Mais pas loin du poids plume. Par contre, tu vois, il y a tellement d'or. What the fuck? À quelle heure tu te lèves pour être en live à 8h? 7h55. Non, c'est faux, bien sûr, un peu plus tôt quand même. Mais l'enfer. L'enfer. Bah là, je suis actuellement dans mon lit, hein. En fait, l'angle de cam... l'angle de cam, il est plutôt bon. Du coup, il vous fait croire que, en fait, je suis sur une chaise. Mais en fait, là, je suis totalement dans mon lit. La caméra au-dessus, du coup, enfin, en face pour vous. Mais en vrai, là, je suis allongé. Et j'ai un setup qui me permet de déplacer. En fait, j'ai un écran au-dessus et tout. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. Je live depuis mon lit allongé. Du coup, je peux me taper une petite sieste, quoi. Et le lit est vert. Et le lit est complètement vert. D'où le fond vert. Oreiller vert. Tout est vert. Tout est vert en fait. Donc, et je suis habillé. Enfin habillé. Le haut est habillé mais le bas est... Du coup je suis en calbar quoi. Voilà. Donc en fait littéralement je me réveille. Je lance l'écran d'attente. Et je me lève pour aller faire un petit pipi. Je me remets dans le lit et c'est parti quoi. La gravité du casque allongé? Pourquoi non, mais moi ça me paraît normal. Il dort en hoodie caleçon. Hoodie caleçon, ouais, c'est... c'est comme ça bien sûr. Mmh, mmh, mmh,
Avec la casquette, bien sûr. Casquette et casque dans le lit. Bah oui, attendez. Ça permet d'écouter de la musique avant de s'endormir et tout. C'est bien, c'est bien. Hop. J'ai plus d'énergie déjà. Bah c'est super. On se régale. Et j'ai rien à manger non plus. Et bah nickel. On va vite falloir trouver la sortie, sinon c'est la fin. Et bah voilà, je peux manger des fleurs ? Non. Y'a vraiment rien à graille là ? Putain, il me faudrait de la chatte, genre maintenant. Oh putain. Vas-y, je vais pas pouvoir aller à l'étage 85 ! Je grille d'un dernier coup, c'est maintenant ! Putain, maintenant ! Non ! Non ! Fais chier. Dégoûté. Dégoûté ! Ah si, après j'ai ramassé beaucoup d'or. Après j'ai ramené un montant colossal de gold. Tellement de goldes. Hey, somme ! Hey, somme, j'éternue, bien évidemment. Ah, yeah. Du coup, on va... Il y a des graines. Est-ce qu'on ferait pas un opening ? En vrai, on a des jades. On a des jades, on a des géodes gelées. Et une géode omni. Moi, je ferais assez chaud pour faire un petit opening, là. Et on va faire cure de l'or aussi. Mais l'opening, ça sera demain. Parce qu'il est déjà 18h. Attends, mais pourquoi il y a de la mousse sur cet arbre, là ? Mousse ! Incroyable, de la mousse. Et d'ailleurs, dans mes crafts, j'ai quoi ? Est-ce que j'ai de quoi récupérer ? Ah, j'ai pas encore les seigneurs. Dommage. Par contre, je peux faire des ruches. Pour le miel. Ça, c'est vrai que c'est pas déconnant. Par contre, j'ai pas de sirop d'érable, donc on peut pas encore. Le bocal, pour faire des fruits, pour faire de la confiture, c'est pas déconnant aussi. 50 bois, 40 pierres. Ouais, ça on peut en vrai. Ça, on peut... Du charbon. Et je vais me faire des bocaux. Hop là. Est-ce que je les fais dans ma maison, les bocaux, là ? Ouais, on peut. Hein. Est-ce que j'ai des fruits ? Des fruits ? Je peux faire de la confiture de fraises. Ouais, je peux faire de la confiture de fraises. De la gelée plutôt. Pardon. Ça sera impeccable. Et bien, allons dormir. Zelardi, Odo Dog, boum. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un tremblement de terre pendant la nuit, vous êtes morts ! Ah, super. Mineur, plus un minerai par veine, le sang de la veine. Ou, géologue, possibilité pour les gemmes d'apparaître par paire. Ah oui, c'est vrai que c'est pas déconnant ça au début. Ça c'est vrai que c'est pas mal au début quand t'es en train de focus sur les... sur les ressources rares. C'est lui, j'ai pété. Ça c'est vraiment pas mal pour avoir des doubles diamants, des doubles trucs. Après, sachant que... Ouais, quoi que je dis ça, mais en fait le charbon est plus rare dans le jeu. Et après, on mine pas le charbon. Mais par contre, je crois que quand tu prends mineur, après, t'as le truc du charbon, justement. Et... Enfin, ça se mine, mais dans les cailloux de base, quoi, je crois.
Après, les minerais, ça se revend aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Toujours Sableye. Et puis après, on aura les transformateurs, là, vous savez, les machines pour cloner les pierres précieuses. Par contre, qu'est-ce qui... Non, j'allais dire, ça a augmenté les chances d'avoir des trucs précieux, genre pour les tessons prismatiques, mais les tessons prismatiques, il n'y a pas moyen d'augmenter les taux de drop, je crois. Attends, mais les... Ouais. Est-ce que c'est possible de doubler les tessons prismatiques? Genre, tu casses une pierre à tesson prismatique et boum, t'en as deux. Ah oui, pour les minerais. C'est vrai qu'il y a les minerais d'iridium. Et c'est un minerai, iridium. Ouais, le minerai. Un minerai par veine. Sang de la veine. J'ai pris le sang de la veine, messieurs, dames. Bonjour, Julien. Bon, il pleut demain, hein? Dis-moi qu'il pleut demain, par pitié, dis-moi qu'il pleut demain. Mais putain, il va pas faire un seul jour, il pleut, putain. Les esprits sont un peu agacés. Et bah énorme. Par contre, j'ai appris une recette. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette quête? C'est un peu embarrassant, j'ai perdu mon short. OMG, on va récupérer le short et le mettre dans la soupe. Salut Farek. Ça va être incroyable. La soupe au short. La soupe avec le short de Lewis. Il y a un succès, je crois, pour ça d'ailleurs, non? Je crois qu'il y a un succès, ça me fume. Bonjour Isa. Le short de Lewis, le gros baiser, comme on l'appelle dans le milieu aussi. Eh bien écoutez, vivement l'arrosoir amélioré, hein. Et apparemment, ça sera pas demain. Vu qu'il ne pleut pas. Pourquoi j'ai les quêtes qui se vénèrent? Ah oui, le short du maire, voilà. Il y a des dingueries dans cette mise à jour. C'est une affirmation ou une question? Une affirmation, ok, nice. Il y a des nouvelles armes. Ouais, j'ai croisé des armes que j'avais pas encore vues encore. C'est bien ça. Hop. Ça c'est bon. On va s'occuper des poules. Pouip, pouip, pouip. Pouip, 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 pouip. Pouip, 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 pouip. Écoutez, on va. Est-ce que j'ai des minerais de cuivre? Il faudrait qu'on remine du cuivre, hein, parce qu'en vrai, c'est, ça reste le truc de base. Et on en a pas tant que ça. On va faire un peu de fer aussi, quand même. 1, 2, 3, 4. Et il faut qu'on s'occupe des animaux. Oh, les gros œufs! Les gros œufs, ça met bien. En tout cas, ça s'épuise jamais, ça, et c'est incroyable. C'est vraiment très très cool. Eh bien, on va aller voir... Alors, en fait, c'est vrai que je récupère de la bouffe aussi, surtout. Je récupère un truc à manger. Ça, c'est bien pour la mine. Qu'est-ce que je pourrais manger dans la mine qui me mettrait bien? Bon, les pissenlits, c'est pas incroyable. On peut prendre la carotte, en vrai. Manger de la mousse aussi, je pense, c'est bien. Non, mais ça suffira, voilà. Bonjour, trop contente, j'ai besoin de ma dose de Stardew quand je suis au boulot. Et bah voilà, c'est parti. Bon, allons ouvrir nos G-Odds. Je suis sûr qu'on va avoir des bangers. Loulou, 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 loulou.
Bonjour, que l'int. C'est parti, on commence par... Attends, mais non, c'est pas des shots, ça, je suis un connard. Waouh. Waouh. Oh là là. Waouh. Oh. OK. Voilà. C'était l'opening pack. C'était énorme. C'était super. Alors, ça fait quand même pas mal de trucs à ramener à notre cher ami Ganteur. Voilà, c'est pour toi Ganteur. Voilà Ganteur. Récupérer les récompenses. La pierre chantante et les collines de Jade. Au secours. Allez, on va aller à la mine un petit peu. Bon, on va pas se focus sur l'or, on va se focus sur les étages là. Et je vous rappelle qu'on a pas débloqué le Junimo Kart encore, et ça, c'est un peu scandaleux. Surtout qu'on m'a dit qu'il y avait une mise à jour de Junimo Kart. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas. J'ai très hâte de voir cette mise à jour. Bon, par contre, c'est quoi cette non-chatte là? Hop, le quartz. Bah, allez! Je vais pas casser tous les. Pardon. Je ne vais pas m'énerver. Oh, le double loot! C'est vrai que j'ai un item qui fait double loot maintenant, des fois, sur les mobs. Ça, c'est fou, hein. Ça, c'est bien, hein. Bonjour Elion, j'ai suivi le live un peu de loin hier, on en pense quoi finalement de la cave à chauve-souris? Eh bien, aussi bien que d'avoir une calvitie quoi, du coup voilà. Non mais ça rajoute un peu de difficulté à la game. Ah putain, il s'arrête pas lui quand on tape. Ou bien. Oui. Vas-y, je vais manger ça. Et ça. Je donne la moitié de mes cheveux. Mais je pourrais pas les mettre. Ah si, je peux faire une perruque, quoi. Hop. Bon, allez, où la sortie? Allez, s'il vous plaît, le jeu, là. Mais les esprits, les... C'est quoi le message ce matin, là? Les esprits vous enculent ou... Pardon. Non, mais qu'est-ce qui se passe, là? Oh! Pardon s'il y a des enfants qui regardent. Hein. Mais les esprits aujourd'hui, ils me. Ils, hein? Bon. Où sont. Où est le trou? Alors, ça c'est super, ok. Oh, un rubis, on n'avait pas encore eu.
Eh ben, je ne trouve pas. Ah, une géode de lave. Ok, super. Pourquoi j'ai voulu aller dans la grotte aujourd'hui? Alors que les esprits me détestent. Oh! Oh, c'est bien ça. Hop là! Alors, j'avoue que j'aurais pu le garder pour le centre commu. Mais je sais qu'il a des très bonnes propriétés nutritives aussi. Le nombre de mobs. Aïe. Oh, bien. Améthyste. Le bon côté, c'est que tu vas récupérer plein de pierres. Même pas en plus. Salut, Chiplo. Oh, un champi. Oh non, pas les chauves-souris rouges. Elles sont invincibles. Oh non, en vrai, ça va. J'ai peut-être un peu abusé sur le invincible. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là, il m'a rendu vulnérable. Je prends cher. Oh, la musique banger. J'aime trop. Je crois que c'est une de mes préférées des grottes. Ouais, elle est bien celle-là. Hein. Non, pas le boss final. Il arrive. Utiliser des bombes, j'en ai pas. Putain, le boss final, non! C'est bon, c'est géré. J'ai été monstrueux sur le fight. Oh là là! Oh, tous les champis! Oh! Ne dis pas que j'ai déjà plus de place. Mais comment c'est possible? C'est un truc de fou, ça. Ah, je peux pas le ramasser parce que c'est un champi rare, ça, c'est ça? Bah, je vais le manger, voilà! Ah non, ça rend malade! Putain, il se mange pas ce... Ah, mais c'est une anu... Non, alors, effectivement, c'est les champignons qu'on mange pas dans la vraie vie, ça aussi, je les connais. Oh la tumouche, oh la tumouche! Vas-y, qu'est-ce que... Par contre, je peux manger mes pissenlits. C'est la manite? Non, comment on appelle ça déjà? C'est quoi le nom exact? Ah, c'est bien, c'est la manite tumouche. Ouais, c'est ça, hein. Putain. Ouais, bah, je vais juste ramasser les violets, hein, ils sont bien. Ils sont bien ceux-là. Mais je crois que je dois quand même ramener des rouges au centre commu. Ah, je peux pas le ramasser, pourquoi? Ah, parce que j'ai un golden en fait. J'ai un golden, c'est incroyable. Incroyable golden. Eh ben écoutez, j'ai une bombe, on va tout faire péter. Non mais sinon je peux me débarrasser du bois, c'est bon, je peux bouffer la carotte aussi. Hop. Avec qui il est quand aujourd'hui? À peu près la même team que d'habitude. Genre Emma. Pardon. Allez! Je sais pas où est la sortie. Les esprits! Esprit, es-tu là? Si t'es là, toque trois fois! Esprit, si tu es là, offre 100 subs! Ok, peut-être que l'esprit est pauvre.
Esprit, si tu es là, un prime, ça suffira. OMG, l'esprit est là, The Jay. Ok, c'est bon. Waouh! Attends, mais la lame d'obsidienne! Eh, c'est bien, hein. C'est nouveau, ça. Ça, je connaissais pas. Ça, c'est une nouveauté nouvelle. Ça, c'est une nouvelle nouveauté. Vas-y, les 4 de safe, par contre, ça part à la poubelle. Hop là. Waouh. Déjà 300 en abonnement offert, quand même. Ah oui. Ah oui, The Jay. Nanananana. Il va falloir commencer à rajouter des coffres et à organiser tout ça. Donc si je dis pas de bêtises, il faut un champ pipi violet. Non, ce n'est pas là. Ah, il faut pour les cueillettes exotiques. Et il faut pour... Non, pas l'aquarium, évidemment. Le panneau d'affichage. Je crois qu'il faut un champi aussi. Ouais, voilà, il faut deux. Il en faut deux. Il en faut un pour Jean-Michel. Démétrius, bien sûr. Donc, un pour Démétrius et un... Ah, bah, il faut un rouge pour Émilie. Très bien. Ok, ok. Excusez-moi, hein, je check très vite. Je retrouve pas. Ah pardon. Racine d'hiver, crocus, iname des neiges. C'est pas encore ça. Mais voilà. Champignon vert. Champignon vert. Il était là avant la lame d'obsidienne. Ah ouais? Ça me dit rien du tout. Navilus. Putain, l'esprit Navilus qui offre un sub à Riaros. Merci beaucoup. Mais attends. La baie épice et... Poids de senteur, on n'a pas déjà eu tout ça? Bah non, c'est en été, du coup, c'est forcément maintenant. Attends une seconde. Non. Attends, je viens de réaliser un truc, là. Attends, on peut déplacer là, maintenant, là? Non. Non. Attends. On peut genre déplacer ou... Non ? J'ai envie de tester un truc là. Ah, on peut pas, non, faut, okay, faut y aller. Je me disais, ça me paraissait un peu trop beau. Ça me paraissait trop beau, ça me paraissait trop beau. J'étais en mode, attends, depuis quand on... Je sais pas, j'ai cru avoir une révélation, mais non. Ça serait broken. Bah oui, ça serait incroyable. Oh, dommage, dommage. J'y ai cru pendant une seconde. Bah vas-y, hein, les champis. Il faudrait un coffre à bouffe là. Donc ça va être le coffre à nourriture official. Alors ça c'est pas de la bouffe, mais on va faire comme si. Et on va le mettre de la couleur rose, comme de la nourriture, bien sûr. N'a aucun sens, évidemment. Alors, algues, ça se mange, ça se mange, ça se mange, ça se mange pas, ça se mange pas. Ah, et ça, ah oui, il va falloir le coffre aussi à graines. Le coffre agriculture. Donc le coffre agriculture, l'agriculture, pour moi, c'est orange, tu vois ce que je veux dire. Le coffre des matières, des ressources précieuses, c'est noir. Et le coffre vert pour les trucs de la nature, bien sûr. Ça me paraît pas mal. Alors, donc rose nourriture. Qu'est-ce qui se mange? Ça se mange, ça se mange. Qu'est-ce qui se mange? Ça se mange pas la mousse. Non. Le fruit cristal. Eh mais attends, mais ça aussi. Racine d'hiver. Mais attends, on a deux trucs à mettre dans le centre commun là. Alors qu'on est même pas en hiver.
La dinguerie. Le crabe, ça se mange pas. Enfin, ça se mange si, mais pas dans le jeu apparemment. Les carottes, ça c'est pour l'agriculture. Le poisson. Ah, il faudrait un coffre à poisson aussi. Oh putain. Ok. Alors attendez. Je pense que je vais revoir la disposition de mes fourneaux. Et déplacer ce coffre-là. Il y a un truc dedans ? Ok. Donc, il faudrait un coffre en plus, en réalité. Donc, il faudrait un coffre à poiscaille aussi. En vrai, ça serait bien que bouffe... Ouais, après... C'est quoi ça? C'est végétal? J'aurais bien mis poisson à côté. Après, il n'y a rien dans la bouffe encore, s'il y a des trucs... Oh, attendez. Donc là, ça va être poisson. Bleu, comme la mer. On peut mettre ce bleu-là. Ou le turquoise, il est joli le turquoise. Oh, voilà, il est joli. Donc rose comme la nourriture. Voilà. Les poissons. Déjà en train de trier ses coffres, hein, c'est incroyable. Donc, ressources précieuses ici. Ah mais il faut un coffre à item. Il me faut aussi un coffre à item, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais là, on va commencer à manquer de place. Bon, on verra. Déjà pour l'instant, la bouffe. Ouais, la racine, ça se mange. Coffre noir pour tout ce qui est ressources rares. Coffre à graines. Ah oui, c'est ça, c'est coffre à graines. Graines, agriculture, donc jaune, on avait dit orange. Avec du coup l'arrosoir. Voilà. Coffre à ressources rares. Donc ça, on laisse. Ça, c'est un objet. Ça, c'est un objet. Agriculture. Artefacts. C'est vrai que les artefacts, ça mérite son coffre aussi, mais... Bon. Chaque chose en son temps. On va laisser les artefacts dedans pour l'instant. Mais à long terme, ça dégage, quoi. Ah, l'équipement, faut le récupérer, je pense, ouais. Ou alors, on prend équipement et artefact. Équipement et artefact, on fait un coffre. Donc, il va falloir forcément notre coffre. Minéral. Butin de monstre, ressources, minéral. Butin de monstre, minéral. Ressources. Bah ouais, non, il nous faut un autre coffre, hein. Bah oui. Est-ce que je le mettrais pas genre un peu en décalé? On tourne la maison pour l'instant. Parce que ouais, si tu dors pas la nuit, on tombe de fatigue et on doit payer 1000 balles à Joja. Oh, le level up, incroyable. Hop, donc. Ça, c'est le coffre des récoltes. On a qu'à mettre des graines. Voilà. Géode. Rubis. Tac. Le coffre vert. Donc le coffre vert, c'est tout ce qui est nature. Nature. Donc nature. En vrai, en nature... Vous voyez ce que j'avais fait ? Hello Nutrem, mais le chat pour info, la commode permet de stocker les armes et les chaussures. La commode, ah, c'est vrai ? Et c'est nouveau ça ou ça a toujours été ? OMG. Mais non. C'est nouveau ça ? Ça m'arrange. Est-ce qu'on peut mettre les armes? Je sais pas si on peut mettre les armes. Non, il faudrait peut-être un rack d'armes. Je sais pas s'il y a ça. Non, je crois pas. En vrai, il rend pas très bien ce... On va mettre ce orange là.
Ça va être le coffre des armes, du stuff. Et des artefacts. Genre bombe, tout ça. Boîte mystère, voilà. Et les fourneaux, on a qu'à les mettre sur le côté, là, genre. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, ça orne la maison. Bon, les trucs décoratifs, on peut les placer dans la maison, c'est pas très gênant, je pense. Prenez-vous la commode. Ah ouais, d'accord. Et bah énorme. Putain, il est énorme ce tableau. Ah ouais, on peut pas mettre ça là. Ma maison est trop petite. Putain, je vais m'endormir. Non ! Niveau 4 de cueillette. Ah, on a enfin le seigneur. Très important, le seigneur. Très, très important. Bûche à champignons. Ça, c'est nouveau. Et nouvelle recette de fabrication, graines d'été. Ok. Attends, pourquoi j'ai plein de messages Discord ? Est-ce que c'est... Oula, ah oui, ça, je vois. Et ça, ça me concerne pas. Oui, je regardais, du coup, c'est... Ok, c'est les gens pour Lycan. Très bien. Donc, on va pouvoir rajouter le seigneur. Il pleut demain ou pas ? Oh, dites-moi qu'il pleut demain, pitié. Mais putain, mais c'est un truc de fou ! Il fera encore beau. Et les esprits sont comment ? Est-ce que les esprits me détestent ? Ils sont un peu perturbés. Ils ont envie de sub à votre chaîne. Ah ouais ? Moi, j'y crois pas. Pour moi, c'est fake. C'est fake news encore, ces conneries, ça. Encore des conneries, là. Putain. Noni ! Oh, il me faudrait un petit coffre de decoration. Titaf Bobble, Titaf Bobble, Titaf Bobble. Merci Vanda Keaton pour le 18ème mois. Merci beaucoup. On a qu'à mettre ça ici, ça ici, ça et ça ici, voilà. Vous en pensez quoi de... Hop, l'arrosoir. Vous en pensez quoi de mon organisation, là ? D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas cuire des lingots ? Oh ! Il faudrait que le coffre des minerais soit là, en fait. J'ai inversé deux coffres, je pense. Oh ! On peut faire ça, c'est vrai ! Attends. Ta mère ? Attends, du coup, il y a peut-être moyen de... Oh. Oh, putain. C'est vrai qu'on peut faire ça. Oh, la dinguerie. Oh, oui. Oh, oui. Tac, tac, tac. Let's go. Et c'est pour ça que j'ai la meilleure ferme, d'ailleurs. Parce que cette organisation est... Et impeccable, évidemment. Hello, je me demandais si tu avais d'autres projets d'œuvres de jeux de Lycan, à part Lycan. Écoutez, j'ai prévu de faire des mises à jour régulières jusqu'à cet été. Et ensuite, je verrai, il y aura peut-être un peu moins de mises à jour, mais il y aura quand même des mises à jour sur Lycan. Mais je pense que à partir de l'été prochain, je commencerai à travailler sur un nouveau jeu, à mon avis. Onu Games ne s'arrête jamais. Et non. On peut toujours pas déplacer un coffre rempli. Non. Enfin si, la preuve. Mais il faut le taper, quoi. Faut taper dessus et il va se déplacer de case en case. Le chien a-t-il une utilité ? Eh bien, le chien... Le chien, il est là pour... Il est mignon. Il est mignon, c'est cool.
Et voilà. Des fois il aboie. Alors que le chat dans Stardew, il fait quoi le chat? C'est bien mon chien, c'est bien, continue. Voilà. Encore plus mignon. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ça, ouais. J'en crois pas un mot. Hop. Bon, elle a l'air pas trop mal cette épée là. Hop là, hop. On pourra aller la tester dans la mine bientôt. J'ai pas d'argent dans le jeu malheureusement, je suis pauvre. Mais j'aimerais bien agrandir le poulailler. Alors Kyrel, et bah pas beaucoup plus hein. Hop. Voilà. Mayonnaise. Donc ça c'est bon, on va aller voir s'il y a quand même des fruits, mais bon, des fruits, mais j'y crois pas. J'y crois pas aux fruits. Allons voir ça. Mais putain, mais vous servez à quoi, bande de chauves-souris de merde ? Et bien le voir en ville, ce qui se passe. Je crois que je devrais prendre un peu de nourriture. Sinon je vais mourir, tout simplement. Sinon je vais die. C'est quand la fête, au fait c'est quand la fête du village, là? Que j'aille chercher le kalsoun. Et le kalsoun, il est chez Marnie, en plus. Ah oui, c'est vrai, je peux ramener des champis. Faut que j'aille au centre commun ramener ça, ça et ça. Ça et ça. Et ça me paraît pas déconnant, n'est-ce pas? Oh, le fer. Est-ce que du coup, j'améliorerai pas d'autres trucs, vu qu'il pleut jamais? La hache, par exemple? Ou la pioche en fer? La hache, c'est pas déconnant non plus, mais... Mais est-ce qu'il n'y a pas un outil qu'on a envie d'améliorer, là? Vu que l'arrosoir, ça tombe jamais. Mais vous allez voir, quand on va le faire, il va se mettre à pleuvoir. Bien évidemment. En vrai, la pioche en fer, ça peut vraiment nous aider pour le fond de la mine. Mais en même temps, la hache, ça nous aiderait bien pour couper les arbres. Je vais monter l'écart avec Marnie pour rentrer. Ah putain, c'est vrai qu'il faut faire ça. Ah ouais, je sais pas, hein, pas sûr, hein. Pas sûr que je puisse rentrer tout de suite. La hache en vrai. Hein. La hache, c'est pas le truc le plus utile, donc... On peut utiliser la hache, là. Allez, c'est parti. On va aller voir notre cher Clint. Attendez, est-ce que Clint, il est dragable ou pas? Non. Il est condamné. Il est condamné. Ville. Boutique. Non. Améliorer les outils. Vas-y, la hache. Baum. Tu as plus dans la mine que tu t'occupes des arbres. Ouais, mais des fois, j'ai besoin de couper des arbres. À plein de moments. Donc, en fait, c'est quand même bien d'avoir au moins la hache niveau 2. Et ça sera surtout pour accéder à la forêt. Alors, je crois qu'il faut la hache en fer, hein, pour accéder à la forêt. Mais il faut quand même avancer, quoi. La forêt magique est vraiment bien. Pour plein de trucs. Attends, le centre commu.
Est-ce que le tremblement de terre, il n'a pas, par hasard, ouvert le spa ? Oh putain, si c'est ça. Marnie a des goûts simples, c'est pas la plus chiante à avoir en ami seulement. Heureusement, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Marnie c'est ok. Marnie c'est ok. Il y en a, ils sont très casse-couilles. Alors, ça c'est non, ça c'est non. Ça toujours pas. Réparation du pont. Putain, c'est très nul quand même. Hein. C'est très nul ce que ça donne. J'ai pas encore ça. Raisin, baie épicée, poisson terre. Mais ça va pas tarder en vrai. Voilà. Ah, mais le seigneur ! J'ai oublié de faire le seigneur. Parce que le seigneur, bah, ça va nous donner tous ces trucs-là. Sirop d'érable, résine de chêne, goudron de pin. Donc ça va nous permettre de compléter la cuvette exotique. Paquet de construction. Bon bah une fois qu'on aura la fameuse hache, on pourra récupérer du bois dur plus facilement aussi. Ah, le fruit de cristal, c'est où? Le fruit de cristal. Ah, il le faut pas. Oh, putain. Ah, c'est tout alors. C'est tout pour la... Oh non, la prune sauvage que j'ai mangée la dernière fois! Après, de toute façon, ça sera en automne, dans tous les cas. Ouais, les champis. Attends, mais les champis rouges, c'est où? Mais putain! Oh, c'est où le champi rouge, là? C'est un artisanat. Alors, je sais qu'il y a panneau d'affichage. Ah oui, c'est que le panneau d'affichage. Ok. Ok! Ça c'est que être hiver. Bah j'ai pas l'impression, regarde ça clignote pas donc je pense pas. Et voilà. Et voilà le TRAVAIL travail. Ah, j'ai déjà mis le fruit de cristal. Eh bien, je le mangerai alors. Je le mangerai goulûment. Tandis que je me dirige lentement vers sur... Mais sûrement vers... Vers Abigail, par exemple, déjà, pour commencer. Si j'avais utilisé une épée, j'irais explorer ces grottes près du lac. Il y fait sans doute plus frais qu'ici. Putain, elle aime juste l'hiver, elle. Hein. Incompatible avec moi, bien sûr. Tu as besoin de quelque chose? Ton numéro de téléphone, Linus? Est-ce que Linus il... Non, je pense pas. Hein. C'est un Linus, quoi. Il est où? C'est un Linus. C'est mort aussi, hein. Tra là là. Quel dommage. Quel dommage. Hop. Voyons cette nouvelle épée. Ok. Oh le diamant! Oh oui. Il me pète la gueule. Oh oui. Eh bien on va aller au bout de la mine. C'est quoi votre truc préféré dans le jeu, vous? C'est parler avec les gens, pêcher, faire, mine, autre. C'est quoi votre truc préféré à faire dans le jeu? Moi, je suis un vrai aventurier. Mine, mine du désert, pêcher, mine et ferme. Ouais, ferme, c'est trop bien aussi. Les animaux? L'argent? Par contre, personne n'aime parler aux gens, quoi. Après, en même temps, les dialogues sont un peu répétitifs. Les collections.
parler à mes navets. Ok. Bon, par contre, là, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Allez, allez les esprits, là! Putain, les esprits qui priment pas! Ok, c'est bon. Oh non. Hop là, c'est pas visé, nulos. Je connais peu Stardew, mais ça me fait beaucoup penser à Fee Farm, tu connais? Je connais deux noms, quoi, mais je pense pas du tout que ça soit la même chose. Encore un clone, encore une copie. Une copie sans âme. L'enfer. Fee Farm. Le jeu de foot, Fee Farm. FIFA. Fee Farm, le jeu de foot et de farming. En fait, tu peux, tu fais un match de foot, mais entre les matchs de foot, pour rentabiliser le club, tu plantes des tomates. En plein milieu du terrain. C'est... Je pense qu'il y a un concept. Non mais j'ai plus de vie là, je suis en train de me faire casser la gueule. En vrai, les pains d'obsidienne, je suis pas très fan en fait. J'ai menti. J'ai menti, j'aime pas trop, je crois. Rendez-moi mon épée d'eau. Ou alors c'est qu'on arrive dans des étages qui commencent à ne plus trop rigoler aussi. Je pense que ça joue. Aïe! Oh là là. Jour des jours, je ne suis pas à jour. Qui est devenu Luigi? Alors Luigi... il a eu un enfant avec Penny et il est parti sur une île, l'île Gingembre apparemment, et on l'a plus jamais revu. Voilà. Donc il aura pas, il verra son enfant ne connaîtra jamais son père. Pauvre Luigi. Ah, c'est pas le pauvre Luigi, hein, c'est plutôt pauvre Penny. Hein. En vrai, Luigi, c'est un gros bâtard. Hein. Petit le gros bâtard. Les tirs, là. Oh, la bombe. Ah, ça va péter. Hop là. Et bah, rien de fou. T'as tout recommencé depuis le début, exactement. Bah ouais, parce que je savais plus trop quoi faire, je tournais en rond alors. Moi j'aime bien quand j'ai un truc, quand j'ai un objectif, quelque chose de clair et net. Contrairement à l'instrument. J'en fais l'outre. Sans mode, sans mode. Non bah y'a déjà la 1.6, ça suffit, c'est comme si on avait des modes un peu, mais officiel. Moi j'aime bien quand c'est officiel. Official, oh what the fuck. Oh, c'est pas mal ça. Ohé oh! Ça, c'est un crabe. Ça, je reconnais ça. Eh ouais! Il me la fait pas à moi. Il va me casser la gueule. Ah! Arrête! Oh non! Pas les chauves-souris là, on en peut plus. Laissez-moi sortir! Salut Sora. Les lunettes sont incroyables. Moi, elles sont trop bien, elles sont vraiment trop bien. Je sais pas, les gens les aiment pas trop. Enfin, il y en a qui aiment pas. Elles sont exceptionnellement stylées. Il est minuit déjà? Oh putain. Après, on a le minecart. Ouais, il se fait tard, je sais. Et vas-y, il reste deux étages. Moi, j'y crois. Ah, ça me paraît chaud. On est en train d'aller dans un bon bax, là.
Ah, je vais me casser de là. Ah, c'est le bourbier. C'est le gros bourbier. Mais c'est moi où le temps dans les mines passe plus vite. Oula. Le giga bourbier. Voilà. C'est quoi ça? Attends, mais j'ai encore récupéré les lunettes. Et B. Et B. Pourquoi il y a les crabes là? Pourquoi il y a ça là? Ok, ça, ça me paraît. Ça, c'est les graines, ça devrait pas aller là. Pareil, viande d'insectes et tout, ça a rien à faire ici. Hop. Hop, fruits de cristal. Viande d'insectes, ça devrait aller dans les loots des mobs. Coffre de l'agriculture, bam, bam, bam. Et le crabe avec les poissons, allez. Voilà. Ça me paraît pas déconnant. Et on va aller ranger les lunettes. Voilà. Impeccable. Allez, bonne nuit. Oh ! Combattant ou éclaireur ? En vrai, les 10% de dégâts supplémentaires, c'est fort. Mais je sais pas ce qu'il y a après éclaireur, en fait. Je sais plus ce qu'il y a. Je sais plus ce qu'il y a après éclaireur. Mais ça n'a pas été buffé, ça ? Ça n'a pas été buff ? Ouais, je crois que c'était moins avant, non ? Parce que avant, vraiment, j'avais dit, j'étais en mode... Waouh. Non mais après c'est 50% de la chance actuelle qu'on a. Et quelle est la chance de crit actuellement? 1 sur 10, 1 sur 100? Voilà, tu vois. C'est pour ça que, pour moi, ça a toujours été de la baisse, ce truc-là. Alors que 10%, c'est tous les coups. Genre, tous les coups, 10%, bah... ça peut être huge, quoi. Ça dépend de l'arme équipée. Oui. Ouais, c'est pas 50% brut, donc c'est vraiment pas fort. Vaut mieux les dégâts réguliers, quoi. Après, vous savez, on peut, quand on est riche, après, on pourra rechanger si on veut. Je crois que les dagues ont pas mal de CC. J'aime pas jouer les dagues. Je joue pas les dagues. Et là, il va pleuvoir demain, vous allez voir, alors que c'est pile poil le jour où j'ai mis ma hache. Ok, non, c'est bon, il fera beau. Les esprits sont très mécontents. Et bah, qu'ils aillent se faire foutre. Voilà. Voilà. C'est bon aussi, hein. Hey, le poisson spectral, faut le ramener apparemment. Au centre commu. Est-ce qu'il y a des choses ici à ramener au centre commu? Un forgeron peut l'ouvrir. Oh putain! Mais non. On va aller voir notre cher ami. En vrai, ça c'est mieux parce qu'en fait il y a de la vitesse. Du coup, je préfère mon épée en os. Pour le bois, faudrait qu'on en ramène aussi. Y'a rien à ramener là. Ah si, ça. Hop là. Ouais, ça on sait. Ok, très bien. Eh bien, on a qu'à faire du fer. Hein. Et on va arroser. Il a augmenté les box des dagues. Ah ouais, ok, peut-être que les dagues sont plus viables qu'avant, je ne sais pas. Je ne sais pas, on aura l'occasion de tester. Eh mais attends, mais ça on peut récupérer, non ?
Ça y est. Yes. Il en faut combien? Je crois qu'il en faut beaucoup pour Marnie. Il en faut 10. Ah, c'est bon, j'en ai 10. J'en ai plus que 10. Bon, j'ai la flemme de replanter. Allez, en vrai, je peux aller faire l'effort d'aller en acheter. Parce qu'en vrai, ça revient tous les combien de temps, le blé? C'est assez rapide. Salut, Graise. Bonjour, Xeyon. C'est quand même rapide. C'est rapido. Hola, rapido. Bonjour, Julianos. Ça repart du début pour découvrir la mise à jour. Exactement. Et je me régale. Je me régale à recommencer, évidemment. On refait le jeu. Refaire le jeu, mais avec les connaissances, c'est trop bien, je trouve. Tu perds moins de temps, t'es plus efficace dans ce que tu fais, tu sais mieux ce que tu vas faire. Ça a une autre saveur. Ça a vraiment une autre saveur, pour le coup. Mais une saveur que j'aime bien. Et c'est un peu comme dans Isaac. Alors bon, bah, si vous jouez pas Isaac, vous allez pas vous savoir, mais... Mais dans Isaac, quand tu commences à être bon au jeu et que tu sais ce que tu vas faire à l'avance et que du coup, grâce à ça, t'es en mode « Ok, donc si je prends cet item-là, puis je vais faire cet item-là, puis je vais dans ce truc-là. » C'est trop bien. Moi, j'aime trop ce sentiment de « Tu sais ce que tu dois faire, donc t'essayes d'optimiser en fonction de tes connaissances. » C'est bien, ça. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien. Les outils, c'est où? C'est là. On va aller... Déjà s'occuper des poules, et faudrait qu'on aille... Alors, je vais déjà pré-arroser. Comme ça, au moins, l'engrais ne s'en va pas. Et on va aller chercher du blé. Avec mes enfants, je recommence tellement de games que je maîtrise le début. Ah, pourquoi vous allez jamais en late game? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Quoi donc? Bon, ils ont fait des petits œufs aujourd'hui. Bah alors, qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont malades? Vous êtes malades? Vous êtes malades, les bépoules? Les bépoules. LJ, qu'est-ce qu'il y a, LJ? Ça va pas? Egir, là. Putain, Egir, il a plein de cœur. Dark Wolfie aussi. OMG. Lenzep, un cœur. Pas assez, ça. Pas assez, Lenzep, là. Qu'est-ce qu'il y a? Fais la gueule? Les enfants, c'est pas avec eux qu'on fait des trucs très stables et long terme. On est bien d'accord, c'est pour ça que j'en aurai jamais. Attends, non, pardon, tu parlais pas de ça. Ah non, pardon, tu parlais dans le jeu. Pardon, excuse-moi. Oh! La boîte mystère. On va aller voir la boîte mystère. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la boîte mystère? Merde, je me suis trompé. Ville. Quand j'arrive en ville. Elle est bien, la nouvelle ferme. Elle est très belle. Elle est très jolie, je trouve. Ouvre-moi ça, mon pote à la compote. Waouh. J'en ai peut-être fait un peu trop pour 10 bois durs, quand même. Mais ça va pouvoir aller dans le centre commun, tout ça, tu vois. Donc, en fait, on va avoir directement... Non, c'est pas là. Un peu déçu. Non. C'est lié, ça, d'artisanat. Non, mais je confonds les endroits, là. Ah non, c'est ça. Donc, il faut 198 de bois, 99 pierres et 10 bois durs. Bah, c'est bon, ça. C'est easy, ça. Easy. I see. Ah, faut que j'achète aussi. Oh là là. Attendez, parce que là, ça va pas du tout, là. Ils sont où, les cailloux? Me dis pas que j'ai rangé les cailloux ici. Putain, mais les cailloux ont rien à faire là, en fait.
Vas-y, je prends tout avec moi. On va aller voir Pierre aussi. Faut qu'on achète du blé. Qu'on aille planter le blé. C'est une strat pour obtenir de l'argile. Il y en avait une avant, maintenant j'en ai plus. Donc voilà. Fin du rêve. Fin du rêve. Une quête. Recherche un lingot de fer. Paiement en espèces à livraison. Je dois bien avoir ça, moi. Graines d'été. Ouais, je sais, je suis là pour ça. 1, 2, 3, 15, 15. Merci. A plus, dans le bus, comme disent les Jones. On va aller retourner voir... Non, on va aller au centre communautaire, pardon. Il y a un truc là, après, plus tard, je me rappelle pas. Je crois pas. Ça me dit rien du tout. Alors. Oh putain, vous savez ce qu'on a oublié de faire aussi ? Le seigneur. Oh, le fourneau à charbon. Très nul. Très très nul, très très nul. Ouais, on va pouvoir finir ça en été dès qu'on aura les... Dès qu'on aura les baies épicées, raisins et pois de senteur. Mais ça va pas tarder à pousser. Je pense. Je trouve, vous trouvez pas que c'est un peu vide la zone du dessus? Il pourrait rajouter tellement de trucs dans la zone du dessus. Ah, j'ai pas mis le poisson. Ah putain, c'est vrai. Après, bon, ça va rien compléter le poisson pour l'instant. Non, voilà, vous voyez. Pas encore, dans tous les cas. Mais oui, j'ai oublié, my bad. Merci Isa pour le 14e mois. Ah, j'ai oublié de mettre le blé aussi. Putain, j'ai oublié de tout faire en fait. Non, mais on va y repasser de toute façon. On va y repasser, je voulais juste faire le seigneur. C'est chiant à faire un seigneur. Mais non, ça va en vrai. Il faut des lingots de cuivre. Et du bois. C'est vrai qu'on aille miner des lingots de cuivre du coup. Hop, ouais, ça fait que deux seigneurs pour le moment. Où est-ce que je les mets? Parce qu'après, une fois qu'on les a mis, il faut pas les enlever, quoi. On a qu'à les mettre là. J'aime bien ici, là. Voilà. Il y avait pas Marnie qui voulait un lingot de fer? Je crois que Marnie a voulu un lingot de fer, si je dis pas de bêtises. Marnie, t'es où? Marnie! T'es chez toi, Marnie? Oh, est-ce qu'on va avoir un feu ruit? T'as vu du leaf? Un petit fruit? Eh bah, ben, c'est énorme! Vraiment un choix exceptionnel, hein. Ah non, je peux pas passer parce que je n'ai plus ma hache. Je n'ai plus ma axe. Ok, merci Anissa pour le 14e mois. Incroyable. Oh là là, Namelus! Merci pour le sub offert. Ah, ça c'est bien ça. Ça on le veut ça pour le centre aussi. La baie épicée. Salut Marnie. Viens Marnie. Salut Peach, c'est ce que j'ai demandé lingot de fer, c'est parfait. Moi c'est un petit quelque chose pour le dérangement. Merci beaucoup. Est-ce que je peux aller dans ta chambre? Vous n'êtes pas assez proche. Ok, tu veux qu'on parle? On peut me retrouver au salon presque tous les soirs. On a combien de cœurs avec Marnie? Un cœur, il faut 3 cœurs je crois pour rentrer. Hop, on fait un peu de nettoyage, voilà. Comme il faut, là, c'est bien, c'est bien.
Ah, c'est deux cœurs. Ça va. Pourquoi Peach a des lunettes d'aviateur? Et pourquoi pas? Je sais pas si on peut trouver les fameuses plantes là. Oh! Oh, attends, toi, t'as peut-être des trucs sympas. Petite bombe, non. Bisque de homard, non. Lingot d'or. Dîner de saumon, tomate, tulipe, graines rares. C'est de la merde, c'est de la merde. C'est nul. Oh là là, c'est le pire passage. Eh bien, on va reposer ça. Voilà. La paille. Pas trop où la mettre. Hein. La paille, on va dire que c'est ça. C'est nature. La nature. Allez, direction the centre communautaire. Et je vais prendre un peu de nourriture avec moi aussi. Un peu de nourriture pour ne pas mourir dans la mine, bien évidemment. Mais attends, mais Navilus qui réoffre un sub encore une fois, mais merci beaucoup Navilus. That's incredible. Thank you, bro. That's so kind of you. Pour le train. Ah. Ah mais 10 secondes, il reste que 10 secondes, donc je pense que le train partira pas malheureusement. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça fait... c'est... Hey. Merci quand même. J'ai envie d'acheter le jeu, mais j'ai peur d'être trop addictif. Enfin, j'ai peur d'être trop addict, oui, bah ça c'est sûr. Ça par contre, ça oui. Mais en quoi c'est une mauvaise chose en fait? En quoi est-ce mauvais? Mais attends, mais j'en ai une barbotte quelque part, non? Ça me parle un peu. Ça c'est nul, ça c'est nul. Marnie, t'es où? Ah, t'es là, pardon. Tiens, Marnie, c'est cadeau. Ah, mais putain, de la paille aussi! J'aurais pu garder la paille. Le con de moi. Et ça aussi. Non, non plus. Ah si, la confiture. C'est vrai qu'on pourrait apporter de la confiture. Ouais. Miel, confiture et tout. Faudrait qu'on fasse une ruche. Et voilà, je crois que c'est bon. Ouais, il n'y a plus rien à apporter là. Ok, et eh ben allons à la mine. Bon, on va pas pouvoir miner très longtemps. Mais voilà, ça avance petit à petit. J'ai déjà du mal à bosser pour mon concours. Ah bah attends, oui, bon, ok, effectivement. Le concours avant. Avant Stardew. Ou pas. Ça dépend ce que tu veux faire dans la vie après. Nanana. Allez, c'est parti! Oh! Oh oui, la chance! Bon, on va se précipiter. On va pas perdre trop de temps avec les ressources là. On va juste prendre les trucs rares. Et se tirer de là. On va tuer quelques mobs aussi pour être sûr de pouvoir partir plus facilement. Allez, 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 allez. Voilà. Non!
Allez. Yes. Yes, yes, yes. Oh, il m'a fumé. Allez. Quoi? Allez, ouvre un chemin. Oh. On est bientôt à l'étage 100. Y'a pas un truc trop bien, l'étage 100? Ou alors c'est l'étage 120 qu'on aura la clé Junimo, mais la clé Skull. Ah mais non, là, c'est pas pour la bande arcade, l'étage 120, c'est pour la mine du désert en plus. Ah, c'est fruit étoilé, incroyable, trop bien. Ça met trop bien le fruit étoilé, là. Je suis un peu en galère, comme vous pouvez le constater. C'est imminent. Allez, c'est imminent, on va y arriver. Pitié. Allez, l'escalier. Allez. Allez, l'escalier. Allez, l'escalier. Allez. C'est maintenant. Maintenant. Là, tout de suite. Maintenant. Oh, mais putain. Là. Tout de suite. Oh, putain, mais c'est un truc de fou. Là. Oh, j'ai une bombe ou pas? Ouais, j'ai une bombe. Je vais pas cacher ma bombe maintenant là, c'est une blague. Arrête. Quoi? Mais... Encore deux étages, il est 22h40. On a plus beaucoup d'énergie. Il va falloir qu'on graille. En multi, le four étoilé, faut se battre pour l'avoir ou ça le fait pour tout le monde? Bonne question. Attends, on a un peu de réussite là. Oh non, c'est le pire étage. À deux doigts de me crafter un escalier là. Non, c'est 99. Je sais même pas si j'ai le craft encore d'ailleurs. Ça va être relou. Il va être minuit, putain, allez. Toi. Un escalier. Oh. Attends, c'est un caillou de fou ça, non? Ah non, vous voyez. Juste la lumière qui le rendait sympa. Plus d'énergie. Ça va être chaud, hein, le all-in. Il est minuit 20. Allez. Putain, je suis nul à trop late. Non. Va falloir qu'on commence à se rediriger vers la sortie. Fais chier. Allez, maintenant. Non. FF. Putain, 99, je vais péter mon crâne, ça fait deux fois d'affilée. Maintenant. J'aurai le temps d'entrer chez moi normalement, mais... Allez. Oh. Oh. Oh, ça passe. Let's go. Bon, maintenant on rentre à la maison. Le clutch là-dessus. Arrêt de bus. Et voilà, on est à temps, là, en plus. Pile à temps. Regardez, je suis pas du tout en retard, hein. Tu vas t'évanouir. Mais pas du tout. Regardez ça. Hop là. Alors. Ah, vraiment, à 10 secondes, hein. C'était close. Mais ça passe. Vraiment pixel. Bon, me dis pas que demain il pleut. Ah non, pardon, il peut pleuvoir, ça me dérange pas. Il faut qu'il pleuve. Mais putain, il fera beau.
Bon. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Des tomates? Des piments? Des pimento? Trop bien, on a plein d'énergie. Ça me régale cette énergie. Je me sens énergique. Oula, plus d'eau. Menu, désolé si la question a déjà été posée. Mais est-ce que sur Twitch la mise à jour est aussi possible? Switch, pardon. Ouais, je suis matrixé. Je ne sais pas. Je crois que ça met plus de temps à arriver, mais je crois que ça va finir par arriver, non? Ça m'a l'air très chiant hein, de mettre des jeux sur Switch en tout cas. Ça m'a l'air d'être assez insupportable quand t'es un dev indé. Après, Stardew n'a rien à envier à des triple A hein, en termes de vente et tout. Le jeu, c'est bien vendu. Bon bah qu'est-ce qu'on se fait comme outil étant donné qu'on peut jamais faire l'arrosoir en cuivre? La pioche en fer? Après ça voudrait dire que si on fait la pioche en fer on pourra pas aller dans la mine. Et ça c'est un peu frustrant sachant qu'on est presque au bout là. Mais bon faudra bien le faire un jour. Ou on peut faire la... La houe. De bronze. De cuivre. Genre ça faisait 1000 ans que j'avais pas vu un de tes streams Stardew. Eh bien c'est normal parce que ça faisait 1000 ans que j'en avais pas fait. Enfin non. J'en ai fait 2 récemment. Mais c'est tout. On a repris qu'il y a peu de temps. Salut maîtresse Laura. Mais j'en avoue et bon repos à ceux chez qui c'est férié. Ah c'est férié en ce moment. Ah oui c'est vrai. C'est jour férié. Oui oui oui. Ah mais oui il y en a qui font le pont là aussi. C'est ça? Ah mais putain. Y'a pas un bail de y'a des jours fériés et tout, y'en a qui vont faire le pont là. Moi je connais plus les jours fériés, hein, je vous le dis, hein, je les connais pas. Bon, j'ai tout oublié. Ah Alsace Moselle, oui voilà, ouf, ouais. Les tricheurs là. Faut qu'on se garde un pimento. Le blé. On va considérer que c'est de la nourriture. Hein. Ça aussi, faut qu'on l'amène au centre commu. La maillot, faut l'amener au centre commun aussi ou pas? Attends. Non. Ouais, piment, c'est bon. Ça, c'est bon. Le reste, on a déjà tout amené. Qu'est-ce qu'on va aller améliorer comme outil, tiens? En fait, il faudrait qu'on fasse un outil en fer. En vrai, go la pioche en fer ou la hache en fer. Ah non, mais il faut de l'argent en fait pour ça, je suis complètement con, ça coûte beaucoup trop cher pour l'instant. Et il faudrait surtout des minerais de cuivre aussi. Parce que là, on peut rien faire actuellement. Ah ouais, on va devoir aller miner du cuivre. Oh la flemme, mais... Mais bon. Mais bon, mais bon. Faut y aller quoi, faut y aller. Un peu de cuivre et en vrai... Bah tiens, qu'est-ce que j'ai à manger ? On a qu'à prendre des pimentos. Voilà quoi. C'est 20 minutes, une journée dans le jeu. À peu près, je crois, ouais. Je crois, hein. Ouais, on va passer par le centre commu. Et voir s'il n'y a pas une quête aussi. 15-20 minutes, oui.
En fait, c'est plus lent, ce qui fait plein d'actions au début. J'ai besoin de carpe. Pam qui veut une carpe. Ok. Alors, c'est lié. Ouais, c'est là-haut. Hein. Je crois que c'est là. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est super. Excellente. T'as pas tenté de lancer une nouvelle game avec nouvelle map? Si, si. Bah, si. C'est... Bah, si. Comment ça? Bah, c'est une nouvelle map. C'est une nouvelle game avec une nouvelle map, en plus. Salut, Dimitrius, ça va? Oh, quoi? Depuis quand on peut s'asseoir sur les... Nouveau, ça aussi. Comment se déroule cette expérience dans la grotte? Est-ce que ça a déjà produit quelque chose d'utile? Non. Eh bien, continue de vérifier de temps en temps. Je suis certain que ça finira par apporter quelque chose. Putain, je me suis dit peut-être qu'il allait me proposer de changer. Non. J'ai cru qu'il allait dire « Ah ouais? Bon bah dans ce cas-là, tu veux les champignons ?» On peut pas retourner en arrière. C'est quoi déjà l'étage optimal? Oh, le raisin! Ça, c'est centre commun aussi. C'est quoi l'étage optimal pour le cuivre? Pas genre 20? Oh, what the fuck? Oh là là, oh la viande d'insecte. Oh là là, ça m'en donne tellement. Toujours plaisant de revenir en arrière et de défoncer les mobs. Ça fait zizir. Hop, à moi le cuivre, à moi le cuivre. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Une zone infestée par les monstres. En vrai, ça nous donne des ressources, c'est pas déconnant. Ah non, mais c'est trop la flemme. Après, il y a ceux qui sont dans le sol et tout, là. Quoi, Pitch a des énormes lunettes. Et pourquoi pas? C'est quoi votre problème avec ces lunettes, hein? Je remets cela. Étage 30. Étage 30, je suis sûr que c'est mieux. Ouais, c'est pas mal, ça. Il y a rien, là. Tâche 40 peut-être? Ah non, c'est la glace 40. 30 alors. Il y en a un peu. Après, il y a ces vieux mobs chiants quand même. T'as déjà pensé à la mine? Pas encore, mais disons que je manquais un peu de cuivre. Là, j'ai pas assez de cuivre, donc en fait, on va former un peu de cuivre. Voilà. Objectif profondeur terminé. Ah, déjà? Pour les chauves-souris? Incroyable. Bah, c'est de la merde, hein. En vrai, y a pas tant de cuivre que ça. Hein. Alors qu'on trouve un autre endroit, je pense. Ouais, 20-25, ça a l'air quand même mieux. Après, y en a jamais ici directement, donc plutôt 20. Ah, voilà. Oh oui. Là, on se régale. Là, là, oui. Ça, c'est ce qu'on veut. On les yarine. Mais un peu de viande d'insecte, ça permet de faire des appâts. Appâts plus mousse, en plus on aura des appâts de qualité. Alors je sais pas ce que ça va changer, peut-être qu'on va tomber sur des poissons beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Je pense que c'est ça.
J'ai plus beaucoup d'énergie, mais bon. Vas-y, on va avancer aussi en bas. Les go, l'étage 100. Pour l'étage 100, la dingue. Hop, pimento. Attends, je l'ai rangé le pimento ? Oui, on peut manger des pimento. Très bien. Bah là, évidemment, j'ai moins de chance, hein. Allez ! Laisse-moi perturber. Oh. Ah. Mais du coup, Junimo Kart, vous êtes sûr que c'est l'étage 120 ? Vous êtes sûr de ça ? Peut-être, hein. Il m'a régalé, lui. Quel fight! Autant, mais il m'a tapé avant que... Wow! Escalier. Oh. On a du mal à se faire de l'argent, quand même. Oh, j'ai plus d'énergie. Ça monte tellement peu vite, le piment c'est tellement nul dans le jeu. Et le chou-fleur c'est comment? Ah, oh, c'est bien le chou-fleur. OMG. Après c'est vrai que le chou-fleur c'est banger. C'est vrai que le chou-fleur c'est quand même assez banger. Où est la sortie? Bonjour les joueurs de Pokémon. Sleep, on est d'accord que la zig de l'event Reku est un banger. What the fuck, c'est quoi ça? Pokémon Sleep. Y'a des gens qui utilisent ça encore? Ah ouais. Étage 105, pas mal. Pas mal. En fait, c'est quoi? C'est un jeu, si tu dors bien, t'as des bons Pokémon, si tu dors mal, t'as des Pokémon de merde, c'est ça? C'est quoi le concept? Comment ça marche en vrai? Trop bien Pokémon Sleep. Ah bon? Ah ouais, ok. Ok. Dormir et up tes Pokémon de soutien et tout. Ah ouais, comment ça? Genre avant de dormir, tu prends ton téléphone et tu XP ton Pokémon et tu t'endors, quoi, c'est ça, non? Et ça te maintient éveillé, ça, non? Enfin, je sais pas du tout si c'est comme ça. Bon, la sortie est où, bordel de cul? Allez, au moins le 110. Hmm.
Beaucoup de bugs malheureusement assez buggés. Et bah super. Surtout le matin, la capture de nouveaux poké et après tu les nourris up de temps en temps. Ah ouais, genre un peu Tamagotchi quoi. Bon, bah ça fait 1h30 que je suis sur cet étage. On va jamais s'en sortir à l'aide. Sortez-moi de là! Pitié! Non! La chauve-souris fait spawn un trou. Allez! S'il te plaît! Oh! Oh non, ça va encore recommencer! Mais j'ai fait tout l'étage! Est-ce que vous trouvez que je suis plutôt chanceux dans la mine ou malchanceux? Moi je dirais plutôt malchanceux, mais ouais. Non mais j'ai vraiment cassé tout l'étage, enfin j'ai tué tous les mobs et tué et cassé tous les rochers. Tout ça pour ne pas avoir d'escalier. Bon, ouais, c'est FF hein. Oh! Nanana. Hop là, ouf. Ah ça c'est bien vidé. Ça va être pour le centre commu. Demain il pleut ou pas? Ah beau. Mais on va quand même se préparer des minerais. Hop. Hop. Même se préparer des lingots. Au cas où qu'il y ait la possibilité de faire l'arrosoir. Attends, j'ai pas récupéré ma hache. Bon, c'est pas grave, on la récupérera demain matin. Dodo. Agriculture. Nouvelle recette. Cloiture en bois dur. Presse à fromage. Arroseur de qualité. Extraction minière, compétence plus 1 et recette de fabrication bombe. Alors attendez, je regarde, il restera. Ah, ok, il y a deux places. Ok, on c'est en train de chercher des gens pour Lycan, c'est en cours de création de la team. Voilà. Ça sera donc dans pas si longtemps, Lycan. Bon, dis-moi qu'il pleut demain. Dis-moi qu'il pleut, pitié. Ah, voilà, enfin, putain. Et il y a de l'orage. Il y a même de l'orage. Ça y est, on va enfin pouvoir améliorer l'arrosoir. Donc on arrose aujourd'hui. Et ensuite, on va le donner à Clint. OMG. Voilà. J'ai de la dispo si besoin. Faut voir ça avec l'organisateur. Faut voir ça avec, avec Monsieur Ponce. Mais je crois qu'ils ont déjà des plans et tout, donc je sais pas encore. Je crois qu'ils font déjà des demandes. Donc il y a déjà des bouteilles qui ont été lancées, je crois, donc... Donc je sais pas comment ça se passe. J'avoue que c'est pas du tout moi qui invite ou quoi, donc... Je ne sais pas. Hop. Hop.
Ça c'est super, voilà, nickel. Vivement notre arrosoir en cuivre, j'ai trop hâte. La révolution que ça va être. On va s'en faire d'autres d'ailleurs, du cuivre. Hop 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 hop. Boule. Hop, les œufs, 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 les œufs. C'est pas 5 lingots pour l'upgrade. Ouais, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Faire à cuire un peu de fer aussi. Hop. C'est 5, donc j'en prends 5. La maillot, l'eau pour le chien. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Ça servait à rien de donner de l'eau au chien à la game d'avant. Enfin, en tout cas, avant la mise à jour. Je sais pas si c'est toujours le cas. Je ne sais pas. Bon, je le fais parce que voilà, c'est sympa. C'est sympa, évidemment. Ville. Donc on va récupérer la hache et donner l'arrosoir, du coup. Merci, Clint. Et l'arrosoir de cuivre, c'est parti! Ah, c'est pour booster les cœurs, d'accord. Ah, j'ai envie de finir la mine. Je suis addict à la mine. En fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai envie de finir la mine, là. Je suis trop addict. Oh. Après, je suis pas contre une petite partie de pêche. Pour les poissons d'été. Oh, la truite arc-en-ciel, elle est magnifique. Waouh. Ah, c'est parti. Dommage. Est-ce qu'il faut l'amener au centre commun? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Quelles sont les missions? Quelqu'un pourrait-il m'apporter un rouget? Rouget, ok, un rouget. Un rouget, pam, il faut sa carpe. Ouais. Oh, ça aussi, il faut l'amener au centre commun. C'est parti. Et bah c'est ici, non c'est pas ici, pardon. C'est en bas, excusez-moi. Voilà. Hop. Alors, quel sera le cadeau? Ça va être éclatax. 30 graines sauvages. Ouais, c'est de la merde. C'est nul. C'est nul, bien sûr. Eh, mais on pourrait aller faire un tour au spa. Salut, Demetrius. C'est bien de faire une pause de temps en temps. Tellement vrai, ça. Tellement vrai. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ici? On va voir. Ah mais du coup, je peux rentrer dans... Ah mais maintenant, c'est plus le même vestiaire. Ah oui, d'accord. C'est vrai. Oh là là. Eh bien, on va aller se détendre, bien sûr. Zébardi. Ou Calmezaire. Par contre, ça crame un max de temps quand même. Hein.
ça va. Peut-être c'est le temps de se déplacer qui est chiant. Hop. Et voilà, let's go. Allez, avance là, vite. L'ambiance est toujours aussi creepy. Voilà. Voilà, ici ça fait toujours bader, bien sûr. Ça, je vais ramasser, c'est très bien. Ça, j'adore. Les raisins, j'adore. Je comprends pas pourquoi c'est aussi creepy. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, c'est parce que c'est un truc de Joja, peut-être ? C'est Joja qui a fabriqué ça, sûrement. C'est un peu l'ambiance Joja. Allez, en espérant avoir un peu de chance cette fois. Ça commence très bien. Ça sert à quoi ? Ça permet de te redonner ton énergie. Plutôt que de manger des trucs, tu peux la récupérer en allant chez... en allant te baigner. Il y a des mobs ici, il n'y a pas de mobs. Bizarre. Il n'y a pas de mob ici. No Boberino. Oh, bien. Est-ce que je finis la mine aujourd'hui et du coup je suis en mode aux œufs de l'or? En vrai... Après l'or, c'est bien quand même. J'en ai déjà beaucoup. Zone envahie par les monstres. Ok. Oh, encre de calmar. Non mais je les déboîte en vrai. Oh, une chemise tie-dye. Elle est comment cette chemise là? Me fait un peu péter la gueule, mais tout va bien. Si ça step là, on se replace. Le positionnement est bon. Non. Ah, tire là, il a jamais tiré. J'ai pas suivi, il y a du nouveau dans Stardew. Ouais, il y a eu une grosse mise à jour. Oh là là! Pourquoi il est de cette couleur là lui? Ah, c'est pour dire que c'était le boss? Je vois. Pas clair cette histoire, pas net. J'arrive pas à dépasser niveau 85 dans la mine, j'arrête pas de mourir. Quoi? Bah, il faut que t'achètes un peu de stuff, faut que tu... Je sais pas, même pas, t'as juste à drop. Parme un peu les squelettes à l'état 70. T'auras l'épée que j'ai. Et une fois que t'auras l'épée que j'ai, après c'est easy quoi. Hop, regarde ça. Hop là, les bottes de l'espace, incroyable. +4, +4. Tu vois, en plus, elles me mettent encore mieux que je le suis actuellement. Oh, le petit pain étrange qui est trop bien. Elle est bien la chemise ou pas? Oh, elle est trop stylée. Elle est trop stylée. C'est une arme vraiment nulle. Bah oui, bah il te faut une vraie arme. Au moins la pioche en cuivre, au minimum. Aussi. Mais l'épée squelette, tu la farmes, elle est facile à farmer. Hein. Tu vas vraiment dans la zone étage 70 et tu tues des squelettes jusqu'à ce que ça tombe et après t'es bien quoi. T'as vu les ajouts dans le jeu? Non, je me suis pas spoil les ajouts en vrai. Je les découvre au fur et à mesure. Et sinon, l'astuce pour avancer, bah tu tues les mobs comme ça, tu vois, tu vas les fumax. Tu les tues.
les mobs et après une fois que t'as clean la map, tu tapes des rochers et éventuellement t'auras... t'auras des échelles. Après faut pas juste foncer sur les mobs et taper sans rien, sans réfléchir hein, faut connaître un petit peu les mobs, tu les repousses, tu t'écartes, tu vois, tu fais genre ça, tu vois, hop, tu recules. Tu te replaces, tu te repositionnes, t'avances, tu recules, tu tapes, voilà, c'est aussi simple que ça. Et si tu sais que tu peux les coincer contre les murs aussi, les slimes, pour éviter qu'ils te sautent dessus. Ça, c'est pas déconnant. Et garde toujours ta pioche et ton épée à côté, comme ça tu peux alterner, tu vois, tu peux taper, pioche, retaper les ennemis. C'est plus simple comme ça. Oh non, ça rebondit, putain, j'ai pas de chance. Et surtout, viens avec des ressources et de la nourriture, ne viens pas à poil dans la mine. Voilà, j'ai un gâteau. Merde, je suis trop con là, allez. Hop. Ouais, ça peut aider. Si t'as du mal, prends plus à manger que la normale. Moi j'avoue que je prends le minimum parce que j'ai l'habitude, mais... Enfin, des fois, ça m'a embêté sur l'énergie. Non, former les insectes qui donnent... Ah oui, ah, il y a une arme dans la guilde avec les insectes. Ok, bah, c'est les biens. Est-ce que j'ai le temps de finir là? Oh là là, alors peut-être. Mais bon, c'est vrai que la mine, c'est pas très... C'est pas pour les casus, voilà, c'est... Enfin, en vrai, cette mine-là, elle est un peu casu quand même. La mine du désert, par contre, elle est pas pour les casus. Ça... La mine du désert... Faut cliquer un petit peu, quand même. C'est pas pour les bébous. Attends, celle-là, bon, voilà. Est-ce que je vais y arriver? Alors, peut-être, hein. Tu vois, ces mobs là, tu vois qu'ils se poussent pas facilement, donc tu recules. Hein. Ah, mais il y a l'échelle là. Oh, j'y vais. Oh, j'y vais, on ne m'arrête plus. Je suis bientôt au fond de la mine, encore deux étages. Attends, casse-toi, toi. Tu peux parer aussi d'ailleurs. C'est vrai que je le fais pas souvent, mais tu peux parer. Je pars jamais. Je pars quasiment jamais, mais. Tu peux parer également aussi, avec le clic droit, avec certaines armes. C'est pour ça que je devrais jouer le marteau, parce que moi je suis pas un joueur qui part, moi je suis un joueur qui tape. Du coup le marteau c'est mieux pour moi. Mais dans certaines situations, c'est vrai que parer c'est pas mal. Encore un. Allez! Allez, il est minuit, putain, vite! Ça va refaire la même, ça va encore se jouer au dernier moment. Oh! Let's go! La clé squelette! Quintette de mort. Ah si, je sais à quoi ça sert en vrai. Bravo, la clintette de mort étudie le mystère. Bah c'est sûrement le truc de... C'est la grotte du désert, bien évidemment. Bien évidemment. Je suis mort deux fois dans la mine du désert, ça m'a traumatisé, du coup j'ai fait une croix dessus, ce qui est dommage car c'est compliqué d'avancer sans ça. Oui, t'es obligé d'avoir t'as des trucs très forts dedans. T'as des trucs très 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 strong. Ton let's play en janvier m'a grave inspiré à retourner dans cette mine et atteindre le niveau 100. Ah bah let's go. Let's go. C'est quoi ça l'encre de calamar? Je sais pas où la ranger en vrai. Ouais, je sais pas où je vais ranger ça. On va refaire du cuivre aussi. Les bottes.
Ok, ça c'est un vêtement. Bon bah je sais pas, je vais mettre ça ici. Je sais pas où le mettre, j'avoue. Et pour la bouffe. Tac, tac, tac. Voilà. Ah, les graines. Les graines d'été, ça va ici. Bonjour lumière. Mon problème dans la mine du désert, c'est le temps qui défile super vite. Il faut être très bien préparé. Voilà, il faut beaucoup de bombes. Il faut un stuff incroyable. Ouais, en vrai, beaucoup de bombes. Hein. La mine du désert, c'est énormément de bombes. Énormément de bombes. De quoi te stuff, te remettre de l'énergie et être bien sûr full stuff, quoi. Parce que... Disons que moi, au plus loin, j'ai été à l'étage 100 et quelques. Mais j'ai jamais été... Je crois qu'il y a des gens qui descendent encore plus bas. Et j'ai jamais trop insisté encore. Ah, mais je peux éteindre. Oh, trop bien. Bon, il est 11h. Est-ce que ça part sur les camps tout de suite ou c'est dans une demi-heure? Yo, TV, quelle heure? C'est pour savoir si j'ai le temps de faire une dernière journée ou pas. Étage 1000 environ, mais c'était à une époque où tu pouvais glitcher. Ah oui, d'accord. 1000. Beaucoup de bombes, beaucoup d'escaliers, beaucoup de buffs. Oui, c'est vrai, les buffs aussi. C'est vrai que je prenais beaucoup de buffs qui rendent plus fort et tout, qui mettent bien. 11h30. Ok, bah j'ai le temps de relancer une journée alors. Cool. Dernière journée avant Lycans, messieurs dames. Bulletin météo, demain il le fera beau. Les esprits sont très heureux. Et voilà. Nickel. Donc on aura l'arrosoir demain. On peut aller faire un petit opening. On peut aller rendre ça au centre communautaire aussi. Ouais. Par contre, c'est tout ce qu'on a en gerde. Non, on a ça aussi. Ah ouais, c'est tout ce qu'on a. Hein. Pas tant de gerde que ça. Tu peux aussi faire plein de cristallarium. Ça, c'est fort. Hein. Cristallarium, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, bah ça, on n'a pas besoin. Ok. Pas besoin d'arroser aussi aujourd'hui, ça c'est très très cool bien sûr. Y'a pas des trucs particuliers à faire quand y'a de l'orage? Alors je sais qu'on peut aller récupérer... quand on veut se marier avec quelqu'un, on peut récupérer le collier de sirène. Mais après je sais plus. Il y a les paratonnerres, bon, on les a pas encore, pour récupérer des piles. Les paratonnerres, c'est un peu chiant à faire, je crois. En vrai, je pourrais faire des paniers à crabes pour avancer. Ah si, je peux faire de la pêche. En vrai, on va pêcher, je pense. Hein. On va pêcher. Il y a quoi comme poisson à pêcher en été? Ouais, pêcher, c'est pas mal, en vrai. Poisson-chat. Et non, c'est en printemps. C'est au printemps. Y a pas de flaque. Y a pas de banc de poisson. Merde. Les surgeons. Ah, c'est quand il pleut les surgeons. Oh, la carpe. Ah, ça bouge là. Attends. Oh. Oh, sa mère. Non mais c'est grave. Oh, c'était un esturgeon.
Non mais j'étais pas prêt moi, je m'attendais pas à avoir un esturgeon là déjà. Ok, Barbotte, c'est bien pour le centre commun aussi. Ah mais je t'ai pas visé. Hop là. Putain. Esturgeon. Allez. Non, ça c'est pas du tout un esturgeon. Ça c'est pas du tout un esturgeon, je pense. Ok, topaz. Ça non plus. Esturgeon que je pourrais prendre pour... pas pour le centre commu tout de suite, mais pour un étang à poisson. Merde, je suis trop con. Il en faut combien des esturgeons pour un étang à poisson? Un seul, ça suffit, non? Ou il en faut deux? Je me rappelle plus comment ça marche, l'étang à poisson. L'étang à poiscaille. Non, mais pas le prix pour faire l'étang, mais... combien il faut de poissons pour que ça se reproduise? Un seul suffit? Nice. Bon, ok, il me faut juste un esturgeon, alors. Je rabis Daisy. Allez, reviens l'esturgeon, s'il te plaît. En plus, je suis sûr que je pouvais l'avoir. J'ai juste un peu trollé, voilà. Je vous le dis. J'ai pas été exceptionnel. Ok, le voilà. Je suis sûr que je peux y arriver. Je suis le pêcheur extrême, donc je peux y arriver. Let's go! Voilà! Le pêcheur de l'extrême! Avec sa canne à pêche de merde. C'est bon. On avait galéré, hein, l'esturgeon, je me rappelle, à la save d'avant. Là, c'est easy peasy. Oui. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut quand il pleut, non? Peut-être des poissons de la mer aussi. Ah, il y a sûrement des poissons de la mer qu'on devrait aller récupérer, je pense. Poissons de la mer. Il. Attends, j'ai des géodes à ouvrir. Anguille de nuit. Il y a des... alors quand il pleut, plus nuit, pluie plus nuit, il y a des trucs. Tiens, ouvre ça. La merde! De la merde! Mais attends, mais c'est des géodes de lave! Oh! Ok. Ok. La merde! Oh! Pas mal. Waouh! Énorme. Nul à chier. Allez hop. Du tour chez Gunter, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que je peux t'offrir? Ça. On va le mettre plutôt là-haut. Ça. Et ça. Quelle est la récompense? Oh! Le gros nounours. J'ai un gros nounours. J'ai remis ce cookie. Attends, mais c'est vrai, comment on répare ça? Graines de courge d'été. Oh, pas mal. Comment je répare ça, là? 300 de bois. Ah oui, en vrai, ça va. Ma save, j'ai deux tessons prismatiques, tu conseilles d'en faire quoi? Je vais pas pouvoir te dire malheureusement le premier truc que tu peux en faire. Il y a un truc qui est vraiment... voilà, il y a une énigme. En vrai, il y a une énigme, si tu l'as eu. Essaye de résoudre l'énigme, voilà. T'en dis pas plus. T'en dis pas plus. Mais la première utilité, on va dire que c'est ça. Voilà, c'est quand même... pas mal d'infos déjà, mais j'en dirai pas plus. Pour pas spoil les gens qui... Waouh. Attends, mais c'était quoi cette merde? C'était même pas un légendaire, hein. What?
the fuck? Non. Non mais... Non mais... Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie là? C'est un arcane? Oh, mais la dinguerie. Un quoi? Je m'inspire des meilleurs. Bonjour Ultia. Oh oui, un flet. Une étoile de mer séchée. Une émeraude. On voit bien le coffre. Hop. Oh 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 oh. Un rouget. Vous avez utilisé votre dernier appât. Quoi? Non, c'est une blague. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ahoy! Entre et fais comme chez toi. Un fer. Ouais, c'est de la bonne qualité ça, les poissons raffolent. Par contre, n'oublie pas de bien te laver les mains après les avoir mises dans ce jus. Oula. L'odeur est connue pour persister jusqu'à cette semaine, ma petite. Merci Croaky, merci pour le 8e mois. Et j'ai entendu dire que tu attrapes beaucoup de poissons. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Ah, une fille comme je les aime. Oula, 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 monsieur Willy, là. Calmez-vous, monsieur Willy. Je vais toujours faire convaincre, c'est une jeune fille qui s'est pêchée. Oula, 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 oula. C'est le grand dicton préféré de mon grand-père. Eh bien, je continue comme ça. Ah, c'est une récompense très spéciale pour toi, hein, si tu attrapes tous les poissons. Comment ça? C'est une récompense? Willy, en full glissade. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, les affaires ont été difficiles ces derniers temps. Ah, tout a commencé à peu près au même moment où l'ancien centre communautaire est tombé en ruine. Ah, je travaille deux fois plus pour rejoindre les deux bouts. Ah, je n'ai pas le temps de travailler sur mes projets perso. Mais si les affaires reprennent un peu, j'aurai peut-être le temps de montrer quelque chose. Et là-bas, cette bonne vieille fille, ouais, elle a connu des jours meilleurs. Ouais, je vois de quoi il parle, mais... Un jour, ma petite, tu comprendras ce que je veux dire. M'appelle pas petite. Non, mais où? Est-ce que j'ai débloqué de nouveaux appâts? Oh! Oh, le flotteur canard! Let's go. Il met très très bien, le flotteur canard. Alors, qu'est-ce que je dois amener au centre commu? Ça, oui, mais pour plus tard... Barbotte, ok. Rouget, non. Donc je pourrais vendre le rouget. En plus, ça va valoir beaucoup, je pense. Est-ce que je dois encore apporter la carpe à quelqu'un? Non, pas du tout. Ah, par contre, il y a un rouget pour jeudi. Ça, c'est très bien, ça. Ouais, je vais te vendre mon flet aussi. Mes carpes. Barbotte. Doré, je garde une barbotte pour le centre commu. Et le reste, c'est pour des missions. Voilà, voilà. La canne à pêche en iridium, elle n'est pas encore dispo. Je pense que ça sera quand on aura level up. Et pour l'instant, c'est non. Bon, on va continuer à pêcher, écoutez. Ah non, j'ai plus d'appât, c'est pour ça que j'avais arrêté. Bon. Faut que je refasse. On va se fabriquer ça, on en a plein à la maison. Est-ce qu'on peut acheter des appâts chez Willy? Mais non, mon chéri, on a des appâts à la maison. Oh. Oh. Ah, jeudi, faut qu'on aille voir jeudi aussi. J'aimerais mettre l'arme gelée sous mon oreiller. D'accord, Caroline. Vraiment chelou, eux. Hein. Des adorateurs de Yoba déjà, donc bon. Ça fait un peu badé. C'est toi qui veux un rouget? Rien. Hé, tu as vu l'annonce que j'ai publiée? C'est parfait. Voici ton paiement comme convenu. 225 balles et elle sera reconnaissante. Bah, j'espère bien qu'elle sera reconnaissante parce que, imagine. Donner rouget, récompense, de l'argent, mais par contre, elle vous crache dessus. Bon. Bon. Pourquoi pas, hein? Ouais, ok. Les oeufs anguilles, c'est pas en été. Non, je crois que c'est automne. Genre blueberry.
L'artefact, l'étoile de mer, ça sera pour chez Gumshu. Donc les poissons, les petits poissons. Ça c'est bon. Je devrais trier aussi, voilà. Magnifique, le tri, c'est parfait, c'est nickel. Bam, bam, bam. Le nounours, on va le mettre dans la maison pour faire un peu de déco. Manu, t'en penses quoi de Ellie? Écoute, personnage assez intéressant, je pense. Il faut creuser un petit peu plus pour en savoir. Mais disons que pour l'instant, je ne peux pas trop révéler les intentions de mon personnage dans le jeu. Parce que si je commence à dévoiler un peu, bah voilà, les gens ils veulent savoir, donc je garde un peu l'identité secrète. J'ai un peu envie qu'elle m'insulte. Donc on sait pas, tu vois. Mais je comprends, je vois ce que tu veux dire, je vois totalement ce que tu veux dire. Graines sauvages. Le fait qu'elle me bully me charme. Vraiment, tu lui offres ce que tu veux, attends, mais plein la gueule. Œil de tigre. Ça a l'air trop bien l'œil de tigre là. Je range ça ici. Voilà, bah écoutez, 15h50. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va pêcher? Est-ce qu'on va dans la grotte? Est-ce qu'on drague des gens? Est-ce qu'on a accès au Junimo Kart? Yonu, j'ai raté l'ican. Ouais, malheureusement, c'était il y a 10 minutes. On a joué pendant une minute. Désolé. Tu as loupé l'ican. Et non, ça sera dans 15 minutes. Alors, est-ce que j'ai accès à cette borne? Oh oui! OMG. OMG. Alors, est-ce qu'il y a une match de ce jeu-là? Le Shoebanger. Est-ce que j'essaie encore jouer ou pas? Ou je suis devenu éclatax? Est-ce que j'ai gardé mes réflexes? Ok, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ah, shit! Here we go again! Ils ont changé les sons, c'est pas les mêmes, je trouve. Ah non, j'ai loupé la pièce, trop nul. Ah, quel plaisir ce bon Junimo Kart quand même. Le dev a nerf, je suis sauvé. Comment ça il a nerf? Oh, il a bien fait parce qu'il y avait vraiment des passages horribles. Hein. Il y avait vraiment des passages immondes. Oh, il y avait des immondices. Oh non! Non! Bon, ça se voit que ça fait longtemps parce que j'ai tenté un saut un peu difficile. Mais j'aurais pas dû louper quand même. Un peu dégoûté, j'avoue. Mon perfect qui s'envole, là. Ouais, ce saut-là est chaud aussi, hein. Il était complexe. Il était compliqué. J'aimais ça passer. Bah, regarde, là, je viens de le passer. Ok, la neige. Un peu dur, la glace, aussi. Non mais putain, il y avait encore la vélocité, c'est pas normal ça. J'avais complètement oublié la vélocité qui est restée même à la fin de la pente. Ou alors ça a été changé ça justement. Ou alors justement, c'est un changement peut-être, je sais pas. Hop. Voilà, ça c'est pour... Oh, ça va être dur, ça. Ok. Encore? Oh non. Comment je vais récupérer ça? Comme ça. Oh oui. Oup, oup. Ok. Non, trop. Pas mal. Allez, on passe au niveau suivant.
La baleine? Oh putain, non, pas la baleine. Putain, pas la baleine, non. FF. Baleine de merde, là. En vrai, ça se fait, mais c'est juste que des fois, il y a des impassables, malheureusement. Est-ce qu'il les a fixés, le fait qu'on puisse pas avoir tous les fruits? Est-ce qu'il a fixé, ça? Elle tire moins vite. Ah ouais, elle a été nerfée, la baleine? C'est Stardew Valley. C'est Stardew Valley, effectivement. J'ai l'impression qu'on peut accéder à tout. Non! Putain, non, c'était... Bah, je pouvais pas, là. Là, je pouvais pas aller chercher l'orange, malheureusement, à cause de la bulle. Énorme. Ah, ça m'a pas l'air d'avoir été fixé, hein. Oh non. Mais vas-y, c'est de la merde! Il m'a monté dessus alors que je voulais pas monter dessus, hein. Oh, c'est une catastrophe, vraiment, j'étais pas dessus, mais il m'a monté dessus, du coup ça m'a mis un truc chelou. Ça m'a mis dans une position délicate. Mais putain! Et voilà, comment je fais pour récupérer ce raisin? C'est impossible. Voilà, c'est impossible, c'est bien ce qui me semblait. Bon, la baleine, c'est toujours de la merde. Voilà, ça a pas changé. Le galion, c'est toujours très dur. Non mais c'est une blague là. Oh non mais il se fout de ma gueule. Ok. Heureusement qu'on a eu le checkpoint quand même. Oh le galion c'est... C'est ardu. L'orel est ardu. Quoi? Non mais vas-y. Attends mais ici je fais quoi là? Y a combien de fantômes? What? Là, faut sauter sur la barrière puis re-sauter derrière. Putain. Waouh! Je sais pas, j'ai réussi à sauter dans le vide, je sais pas comment j'ai fait, mais ok. Oh, incroyable. Incroyable. Ok. Oh non, pas les montagnes russes, trop dur les montagnes russes. Trop dur. Non! Oh, c'est des sauts tellement pixels. Oh! Ouais. Oh, vas-y! C'est quoi ces sauts de bâtard là? Oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais vas-y, ça se perd en vrai, hein. Oh, ça se perd tellement. Oh, c'est trop trop dur. Montagne russe, je l'ai jamais vraiment beaucoup train en plus. Oh, vas-y. Ah, pourquoi je suis pas mort? Non, c'est trop dur les montagnes russes, c'est trop dur. Après, ça faisait très longtemps que j'ai pas fait ce niveau aussi. Oh là là là. Bon, la reprise est pas simple. On n'aura pas one shot Junimo Kart, malheureusement. Bonsoir, c'est un plaisir de vous voir socialiser avec les gens de la communauté. Oh. Il y a un bug sur les vies. Bah, je pense que j'avais une vie en trop là, ouais, c'était bizarre. Il ne pleut jamais dans le désert de Calico. C'est là que vit mon ami Sandy. C'est vrai, Sandy. Il y a Sandy dans le désert. Eh, je suis assoiffé, cassez-vous. Allez, pile à l'heure, hein. 17h, c'est déjà l'heure de saouler. Rien de tel qu'une bonne gorgée de délicieux breuvage pour réchauffer mes vieux os. Je devrais peut-être cuisiner quelque chose de nouveau et d'excitant aujourd'hui. Quelque chose d'épicé. Récupérer une vie avec 100 pièces. Ah, oui, c'est ça. Ok. Hé, hey, fermière, tu as un beau bronzage. Si je m'entraîne cet été, je pourrais devenir pro. Tu pourras leur raconter partout que tu m'as connu autrefois. Cool, non? Ok, man. Ok, mec. Ok, bro. C'est fermé. Bon, 9h15, what? Wow, ferme tellement tôt.
Faudrait qu'on refasse des seigneurs. Des seigneurs et des appâts. Où est la viande de monstre? Là. Voilà, 185 appâts, rien que ça. Les seigneurs, c'est comment? Ah, j'ai plus de bois, hein. Et j'ai plus de bois quasiment, on va devoir en recouper. Est-ce que je peux couper ça maintenant? Oh oui! Oh, du bois dur. Je commence à être épuisé, mais non. Mais non. Mais non, mais non. Un chou-fleur et ça repart. Bonjour, m'enflamme. Enfin, m'enlame, pardon. Ça aurait été bien. Eh, oh, le pseudo. C'est Menlam ou Menyam. Ça aurait pu être genre m'enflamme. C'était incroyable. Graine d'acajou, c'est important, faut la planter vite. À devoir la session de Lican. Bah c'est bientôt. C'est imminent. C'est imminent, vraiment. Les seigneurs, 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 seigneurs. 2 lingots de cuivre et 40 bois. Et j'ai actuellement combien de bois? 62. Je peux en faire qu'un seul, c'est un peu dur. Coup dur pour le joueur français. Le comment vont tes allergies? Bah, ça ne part jamais, bien sûr, mais un jour peut-être. Un jour peut-être ça va se barrer. J'y crois, moi j'y crois. Perso j'y crois. Il est 20h. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme craft aussi qui sont sympas? Presse à fromage, bon, on n'a pas encore de lait. Des machines à maillot, bah on n'a pas suffisamment de poules, on a déjà suffisamment de machines. Non mais c'est bien là, on a tout ce qu'il faut là. Quoi cette bague? Anneau solide. Réduit de moitié la durée des effets négatifs. Pas ouf. Anneau du guerrier. Insuffle occasionnellement l'énergie guerrière. Ouais, pas ouf. Émet une lumière constante et augmente également votre résistance pour collecter les objets. Ah, ça c'est une fusion. C'est pas déconnant. Il est pas si mal cet anneau-là. Hein. Je crois qu'il est pas mal. Hein. Ça fait une pierre de coup. Donc je vais faire ça, je pense. Ah non, c'est 5 essences solaires. Ouais, attends. C'est encore plus, encore plus gratuit. C'est gratis. Donc ça veut dire que je vais pouvoir retirer ma petite bague scintillante et l'anneau magnétique parce que littéralement, celle-là, il fallait deux en fait. Ah, et l'éclairage, il est incroyable. Oh, l'éclairage, il est banger en plus. L'éclairage est huge. Et ben voilà. Bon écoutez, il va être l'heure de jouer à Lycans. Donc bah nous on va aller dormir, je vais aller mettre ça à côté de mon lit. Ou alors attends, je décale mon lit là, je mets le nounours ici. Oh oui. Ouais, c'est... Non, je sais pas en vrai. Ou alors... La lampe on la met genre là, le nounours ici. En fait je sais pas, il est tout dans son coin là, c'est... Je sais pas, j'arrive pas à trouver un emplacement sympa là. Parce que là il me regarde, mais il est un peu mal placé. Okay. Ou alors le lit comme ça. Un peu chelou aussi. J'arrive pas à mettre d'accord là. Ouais, je sais pas. Bon allez hop! C'est terminé pour Stardew pour aujourd'hui, on reprendra demain.
Stardew Valley demain après-midi vers 13-14h. Et là, on va aller jouer à Lycans avec plein de gens. Ça va être très sympa aussi. Merci pour le deuxième mois de Prime, Uxiz, pardon. Bonjour les coquillages, dites-moi, ONU a fait l'upgrade de l'arrosoir. L'arrosoir arrive bientôt. L'arrosoir, il est prêt, il arrive. Je crois que ça répond à ta question, du coup, le message. Eh bien,